Bonjour, chers collègues. Nous allons reprendre nos travaux. Je vais réouvrir la séance du Parlement régional bruxellois. Nous allons démarrer par notre traditionnelle séance des questions d'actualité. Alors, nous allons démarrer tout de suite par la question de Madame Tahar, adressée à Madame Benamou, relative aux mesures de lutte contre l'antisémitisme en région Bruxelles-Capitale à la lumière d'une récente enquête européenne. Madame Tahar, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Secrétaire d'État, un Belge sur quatre se considère modérément, voire fortement antisémite. Donc je répète le chiffre, un Belge sur quatre se considère modérément ou fortement antisémite. C'est ce qui ressort d'une enquête européenne qui a été largement relayée par des médias belges, donc récemment, donc hier seulement. Et ce qui est choquant dans cette enquête, c'est qu'en fait, ces actes étaient déjà connus, mais se sont renforcés notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Et ils ne visent pas uniquement les actes et les propos antisémites, mais visent également des symboles juifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette enquête rappelle que toutes les régions sont concernées, mais que la Flandre est davantage touchée, surtout malheureusement les milieux d'extrême droite, ça on le savait déjà, mais Bruxelles n'est pas épargnée pour autant. Alors, vous le savez, vous lisez comme moi le rapport annuel de UNIA, qui a rappelé donc, récemment, dans son rapport 2020, que 115 incidents antisémites ont été recensés pour l'année 2020, soit une hausse de 45,5% par rapport à 2019. Et UNIA rappelle également qu'en plus des actes, des propos, ce sont les symboles qui sont touchés par des dégradations. Alors, Madame la Ministre et Secrétaire d'État, je vous sais vraiment très attentif et impliqué également dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme. Donc ici, il ne s'agit pas du tout de viser uniquement une forme de racisme, mais toujours est-il que l'enquête ici parle de l'antisémitisme. Et je vous sais actuellement en travail avec vos collègues sur un plan bruxellois de lutte contre toutes les formes de racisme. J'aurais voulu savoir si, à l'instar de la Commission européenne, qui a mardi dernier estimé nécessaire de déployer une stratégie de lutte contre l'antisémitisme, est-ce qu'à votre niveau aussi, en région bruxelloise, puisqu'elle est malheureusement également touchée par cette hausse de l'antisémitisme, qu'allez-vous mettre en place concrètement en termes de mesures politiques pour faire reculer l'antisémitisme et surtout de considérer aussi cette spécificité comme le demande, le recommandent les associations de lutte contre l'antisémitisme et le racisme, encore pas plus tard qu'hier, dans le cadre des assises contre le racisme, plusieurs associations ont rappelé la nécessité d'intégrer en tout cas cette spécificité. Et donc, je voulais terminer avec cela. Très bien, je suis dans mes temps. Super. Merci, Madame Tahar. Madame Benamou. Madame la députée, je vous remercie pour vos questions, bien qui me permet à nouveau d'apporter les réponses que j'ai pu d'ailleurs déjà donner hier en commission égalité des chances à votre collègue, monsieur Marc Lowenstein. Je veux affirmer ici qu'il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que l'antisémitisme fera partie du futur plan régional de lutte contre le racisme. J'ai entendu aussi, tout comme vous, hier, les représentants des organisations juives qui étaient ici à ma place lors de la clôture des assises, qui parlaient de ces violences, de ces agressions, de ces discours antisémites que vivent ces personnes juives. Et il est évident que tout cela figurera dans le futur plan de lutte contre le racisme. On va lancer aussi lundi prochain notre campagne contre le racisme, où on visibilisera l'antisémitisme. Et cette campagne contre le racisme a pour but de déconstruire les préjugés, les stéréotypes, mais aussi de dénoncer les discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Et je vous invite sincèrement à être présente ce lundi, à soutenir notre campagne. Une invitation a d'ailleurs été invitée aux membres de la commission Égalité des chances. Et vous conviendrez, je pense que vous le savez, vous le sentez, que je fais de l'égalité des chances vraiment un axe, un outil transversal pour travailler tant sur la cohésion sociale que sur l'éducation, pour faire ensemble, construire ensemble une région où tout le monde trouve sa place, peu importe sa couleur de peau ou son origine. Je vous remercie. Merci, Madame Benamou. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Madame Tahar, pour une courte réaction. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais évidemment, je ne doutais pas du tout de votre bonne volonté pour vous investir, en tout cas, dans ce domaine. Et j'entends, je prends bien note que dès la semaine prochaine, une campagne de sensibilisation, sera lancée. Donc, j'y serai particulièrement attentive. Je reviendrai d'ailleurs ultérieurement. Et je crois que c'est important de poursuivre la lutte contre toutes les formes de racisme sans qu'il y ait de surenchère victimaire pour autant. Merci.
L'incident est clos. Nous passons à présent aux différentes questions jointes. D'abord, la question de M. Deboc, adressée à M. Gatz, relative aux observations de la Cour des comptes sur le compte général 2020 de la région de Bruxelles-Capitale. De vragen de heer Dominique Lotenstahl betreffende opvolging van de opmerkingen van het Rekenhof over de algemene rekening 2020 van het Brusselse hoofdstedelijk gewest. En de vraag van Matthias van den Borre betreffende maatregelen met betrekking tot de opstelling van de rekeningen van het Brusselse hoofdstedelijke gewest naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof over de algemene rekening 2020. Monsieur De Bock, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, bonjour. Madame la ministre, également bonjour, mes chers collègues. La Cour des comptes s'est abstenue d'émettre un avis concernant les comptes 2020 de notre région bruxelloise, estimant qu'il y avait peut-être trop d'incertitudes entre les recettes et les dépenses. La plus grosse erreur, ou la plus grossière erreur, si l'on peut dire, qui a été pointée par la Cour des comptes, est une erreur un peu matériel à mon sens, puisque on est à 700 000 euros de perte qui est indiquée dans la dette, alors qu'en réalité, il fallait parler de millions d'euros, donc il manque quelques zéros, ce qui donne évidemment un goût un peu amer, si je puis dire, par rapport à cette erreur qui a été sans doute l'erreur d'un fonctionnaire, j'imagine, et que je ne veux pas accabler non plus ici, mais voilà, cela arrive. Mais néanmoins, j'aurais quand même voulu avoir quelques précisions, puisque vous avez annoncé dans la presse qu'une enquête était ouverte par rapport à cette erreur. Vous savez que d'autres manquements ont été également pointés, notamment la question de la base réglementaire des voitures de fonction pour les directeurs d'un certain nombre d'OIP qui manquaient dans le passé, mais qui manquent encore aujourd'hui. Donc ici, c'est quelque chose de continu. Je pense qu'il faut effectivement prendre ce problème à bras le corps. Et je voulais vous entendre à ce sujet pour savoir quelles étaient les mesures que vous aviez prises ou que vous alliez prendre pour éviter que nous ayons la déconvenue d'avoir de nouveau la Cour des comptes qui pointe ce type de manquements qui sont un peu regrettables, qui donnent une mauvaise image, alors qu'effectivement, on ne peut pas nier que ces derniers mois, vous avez travaillé et l'administration a travaillé d'arrache-pied à présenter un budget et des comptes les plus fidèles, en tout cas c'est comme ça qu'ils doivent l'être, à la situation. Je note quand même que dans cette grande confusion, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne se porte pas spécialement mieux, puisque là, carrément, la Cour des comptes n'a pas donné d'avis, ou a refusé de donner le moindre avis par rapport à cela, et qu'on note effectivement, si je puis dire, que tous les gouvernements sont un peu mis sous pression. Tant mieux, la Cour des comptes fait son travail, il faut aussi s'en féliciter. Moi, je suis ravi d'entendre la Cour des comptes à ce sujet. Et je voulais la saluer aussi, au passage. Merci, super, monsieur le ministre. Merci, monsieur De Bock. Tisnu de Beurtan, collègue Lotenstahl. Dank u, meneer de voorzitter. Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft veel weg van een bananenrepubliek met een operetteregering. Het zijn niet mijn woorden. Het is de conclusie die financieel journalist Alain Mouton van Trends trekt na het lezen van het rapport van het Rekenhof over de rekeningen. Niet alleen moeten we tot de conclusie komen wat waarnemers al lang hadden gezegd en wat ik ook al had voorspeld, met name dat onze cijfers al maar verder in het rood glijden en dat de begroting in feite aan het ontsporen is en de schuld aan het ontsporen is op gewestelijk niveau. Maar bovendien zien we nu dat de rekeningen vol fouten staan, slordigheden, onvolkomenheden, foute cijfers. En de voorbeelden die daarvan in de media zijn verschenen, zijn toch wel bijzonder hallucinant. Collega De Bock heeft er ook naar verwezen. En misschien het ergste van het verhaal is wel dat u als minister bevoegd voor deze aangelegenheid, maar ook bevoegd voor het imago van Brussel, daar wel bijzonder licht over gaat. We wisten het allemaal, de feiten zijn in feite gekend, begrotingsgewijs is het allemaal niet zo erg, enzovoort, enzovoort. U gaat daar eigenlijk bijzonder licht over, terwijl de ganse situatie in zijn totaliteit, niet individuele foutjes op zich, maar de totaliteit van de situatie, bijzonder, bijzonder ernstig is. De kredietwaardigheid van ons hoofdstedelijk gewest komt in het gedrang. En mijn vragen zijn dan ook de volgende, meneer de minister. Wat is er in het verleden gebeurd om
dit te helpen voorkomen. Wat zal er nu gebeuren? Wat zal u nu doen ten einde ten eerste het imago van het gewest een beetje te redden en ten tweede de begroting op de sporen te krijgen en ten derde de fouten te vermijden naar de toekomst toe? Okay. En de belangrijkste vraag, meneer de voorzitter, is hoe zit het met de politieke verantwoordelijkheid? Voor mij is dat duidelijk. U bent politiek verantwoordelijk voor wat hier fout is gelopen. En ik denk dat u dan ook daaruit de enige juiste conclusie zou moeten trekken. Ik dank u. Meneer Van den Borre. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Minister Gats. Voor één keer ben ik eigenlijk blij dat ik dezelfde vraag kan stellen als collega De Bok. Dat is toch één iemand, denk ik, dan binnen de meerderheid die tenminste wakker is, die deze extreem urgente oproep tot meer ernst in de begrotingsdebatten, denk ik, want zo moeten we toch wel lezen, die dat signaal opvangt en die vragen daarover stelt. Want binnen deze meerderheid heb ik eigenlijk niemand enige serieus daarover horen vertellen. Iets serieus, iets concreet waar dat we nu eigenlijk naartoe gaan met deze begroting. Want de begrotingsbespreking begint nu, maar eigenlijk moeten we al op voorhand zeggen, kunnen we daarop vertrouwen? Kunnen we op vertrouwen op die cijfers die u en andere ministers ons verstrekken? Als we eigenlijk de grootste experten in dit land eigenlijk zeggen, het Rekenhof zegt nee. Die rekeningen kloppen gewoon niet. Die cijfers die zijn soms uit de lucht geplukt, lijkt het haast. Commas waarbij miljoenen vergissingen ontstaan, die blijkt gewoon totaal onderbouwd te zijn. Dan moet het Rekenhof gewoon zelf aantonen. Dus de fundamentele basis van een begroting ontbreekt gewoon. Het vertrouwen dat de regering de juiste cijfers presenteert aan het parlement, dat vertrouwen is totaal weg. En u zegt dan in de pers, ja, er is helemaal geen wanbeheer, het is een kleine foutjes, akkefietjes, we boeken wel degelijk vooruitgang. Maar opnieuw, nee, de feiten tonen iets anders, namelijk, dit is niet de eerste keer dat het Rekenhof dergelijke vernietigende kritiek publiceert. Nee, het is helaas een jaarlijkse traditie geworden. Jaarlijks moet het Rekenhof afkeurend oordeel vellen over vele, soms tientallen instellingen in Brussel. Maar het wordt erger. Nu zegt het Rekenhof zelfs, het gaat zelfs zo ver dat we zelfs geen oordeel meer kunnen vellen. Dus mijn vragen, meneer de minister, u sprak van concrete oplossingen. Ik zou wel eens graag willen vernemen wat concreet u zal realiseren om die begrotingscijfers en die betrouwbaarheid te verbeteren. Okay. En welke vooruitgang u hoopt te boeken in de nabije toekomst. Dank u wel. Dank u, meneer Van den Borre. Meneer de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil in elk geval bij het begin van dit debat benadrukken dat de kritiek van het Rekenhof ernstig is, zeer ernstig. En dat de regering deze kritiek dus ook ernstig, zeer ernstig neemt. Ik heb daartoe ook deze week al een spoedvergadering bijeengeroepen met de belangrijkste financiële verantwoordelijken binnen het gewest om een taskforce op poten te zetten met een aantal lijnen om de toestand te verbeteren voor de toekomst die ik u zo meteen zal toelichten. En ja, inderdaad, mijn politieke verantwoordelijkheid is daarbij in het geding. Eveneens heb ik aan mijn administratie meegedeeld dat hun beroepseer natuurlijk ook in het geding is en dat die beide met elkaar in evenwicht moeten gebracht worden en dat wij hier alleen samen zullen uitgereiken. Je donne l'exemple de la mauvaise comptabilité du fameux montant, hein, de 700 millions, hein, pour dire que le débat est plus complexe qu'on ne le pense, en ce sens que les bons montants ont bien été intégrés dans la comptabilité, dans le bilan. Dus in de balans hebben we wel degelijk de juiste bedragen geboekt, anders zouden we ook wel gezien hebben dat de balans niet klopte. Het is zo dat er in een tabel toegevoegd aan de balans een onjuist bedrag staat. Dat is niet minder erg. Ik wil alleen aangeven wat de juiste context is. Het is niet aanvaardbaar dat in een document waar ook de bijlagen door het Rekenhof worden gecontroleerd volgens internationale standaarden, dat dat niet in orde is. En dus enerzijds is het belangrijker dat de balans in orde is dan dat er een fout is in de tabel. D'autre part, il est naturellement bien, enfin, il est pas bien, mais il est bien que par cette visibilité qui montre qu'il y a une problématique
plus grande derrière ce montant, nous sommes obligés maintenant de renforcer nos engagements, renforcer notre politique financière pour sortir de ce que je voudrais bien appeler quand même pour les comptes, peut-être déjà un peu un cercle vicieux pour les finances bruxelloises. Bon, qu'allons-nous faire? Parce qu'on peut dire qu'on constate des problèmes et qu'on va faire quelque chose. Il y a 5 points que je veux pointer. C'est d'abord l'automatisation des flux d'informations. Ceux qui me disent que rien n'a été fait se trompent parce qu'en 2019, nous avons déjà pris la décision. En 2020, nous avons implémenté cette décision. Et en 2021, donc à partir de cette année-ci, il y a avec l'intégration des revenus fiscaux dans la plateforme SAP de BFB, de notre administration pour les finances et le budget, déjà une beaucoup plus grande fiabilité et un échange de données 1 sur 1 en ce qui concerne le budget et les comptes en tant que tels. Dus met andere woorden, als mijn administratie mij correct heeft ingelicht, en ik ga daar wel degelijk van uit, dan zal alleen al door deze zaak, en de regering heeft daar 6 miljoen voor geïnvesteerd, het grootste deel van de problematieken van de datastromen die met elkaar moeten kunnen corresponderen in real time, opgelost zijn. To be confirmed, we zullen daarover binnen enkele maanden terugkomen. Dat is een belangrijke zaak. Wij zouden een belangrijk deel van het euvel kunnen opgelost hebben. 2, un meilleur dialogue. Oui, mon administration rencontre la Cour des comptes et ses auditeurs régulièrement, mais pas assez régulièrement et pas de façon assez intensive. Donc, il y aura un agenda plus accru, plus détaillé, daar is trouwens al opgemaakt, tussen de administratie en het rekenhof om elkaar meer te zien, omdat we absoluut hieruit moeten geraken. 3, we zullen een aantal procedures versterken. Het kan zijn dat een individu een fout maakt, maar het is moeilijk te aanvaarden dat een administratie als geheel een fout maakt. Ik weet wel dat het een abstractie is, maar een administratie werkt met processen en de processen moeten betrouwbaar kunnen zijn. Dus de double check zal zeker nog verder versterkt worden om te vermijden dat er zo een fout met betrekking tot getallen komen. 3, la qualité du processus. Vous connaissez l'ordonnance organique portant la disposition applicable au budget, à la comptabilité et au contrôle budgétaire. Nous allons modifier cette ordonnance parce que certains éléments ne sont plus aptes. Cette ordonnance date de 2006 pour un bon échange de données entre administration et entre administration et la Cour des comptes. En 5, de responsabilisering van de externe administraties. Want we hebben het tot nu toe vooral gehad over mijn eigen administratie, hoofdzakelijk BFB en BF. Maar we willen ook dat in een strikt rapporteringskader de directeurs en de verantwoordelijken voor de boekhouding van de organismen van openbaar nut via de hervorming van het plan van de minister-president en mezelf op Tiris, dat die strakker zullen moeten rapporteren. Ik besluit, meneer de voorzitter. Il y avait encore une question supplémentaire de monsieur de Bock sur les voitures d'entreprise. Là, j'ai déjà en fait proposé une solution avant l'été à mes collègues, mais il y avait une discussion plutôt sur le fond. Est-ce qu'il faut uniquement attribuer des voitures d'entreprise aux fonctionnaires ou est-ce que ça doit être quand même un paquet plus large et plus dirigé vers l'avenir. Et donc là, nous avons presque terminé le Mobiflex budget qui sera quand même un peu plus pour nos fonctionnaires que pour certains seulement une voiture d'entreprise. Dus daar zullen we een oplossing voor vinden. Ik wil ook aan degene zeggen die hier kritiek gegeven hebben, dat hun kritiek, wanneer ze herhalen wat het rekenhof zegt, volledig terecht is. Maar wanneer men vanuit een bepaalde materiële fout kritiek geeft op de rekeningen en vandaar kritiek op de begroting, ik denk dat dat een brug te ver is. Met andere woorden, deze zaak gaat over de kritiek op de rekeningen die volledig terecht is. De begroting, daar zullen we het maandag over hebben en daar maak ik mij wel degelijk sterk dat alles wat wij u daar voorleggen betrouwbaar en correct is. Net zoals de balans van 2020, zelfs al is er daar inderdaad een probleem met een bepaalde tabel en andere elementen. En tout cas, le gouvernement ne manquera pas de renforcer encore sa politique financière afin d'obtenir, en concertation avec la Cour des comptes, une certification de ses comptes généraux à l'avenir. Er is werk aan de winkel, maar wij zullen er zeker werk van maken, ernstig en vastberaden. Dank u, meneer de minister. Monsieur de Bock. Je partage votre conclusion et je vous remercie pour les réponses apportées.
Merci, meneer De Bock. Meneer Lotens. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik ben blij dat de minister vandaag zegt dat hij de kritiek van het Rekenhof als ernstig beschouwt en ook ernstig neemt. Het is jammer dat hij in de media de voorbije dagen een beetje een andere indruk heeft gewekt, want dat heeft een extra deuk gegeven, denk ik, aan het imago van het hoofdstedelijk gewest. Inderdaad, dat hier en daar is een fout kan gemaakt worden, missen is menselijk, maar dat niemand dergelijke fouten opmerkt, dat dat pas in latere controle door het Rekenhof moet gebeuren, dat blijft dus onbegrijpelijk. En ik hoop dus inderdaad dat daar iets wordt aan gedaan naar de toekomst toe om dat te vermijden. En tenslotte, wat de verantwoordelijkheid betreft, ik vind dat u zich daar nogal gemakkelijk vanaf maakt door te verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de administratie en te zeggen dat die in evenwicht moet zijn met uw eigen verantwoordelijkheid. Uiteindelijk blijft u en blijft u politiek verantwoordelijk in deze. En eigenlijk zou u daar zekere conclusies moeten uittrekken. Dat is mijn overtuiging. En nog een laatste bedenking, meneer de voorzitter, over het ontsporen van de schuld, over het oplopen van onze schuld en over het al dan niet meer kredietwaardig zijn van ons hoofdstedelijk gewest. Daarover heeft u in uw antwoord niets gezegd. Meneer Van den Borre. Ja, dank u wel. In eerste plaats, inderdaad, u zegt, ja, vandaag ziet u de ernst in. Het valt toch op dat het geluid dat we vorige week in de pers lazen, dat heel anders was. Dan minimaliseerde u echt wel hetgeen het Rekenhof zei. Het tweede element is natuurlijk inderdaad, dat geeft u ook aan, die politieke verantwoordelijkheid. Maar u schuift die dan meteen ook door naar de administratie. Maar dat is natuurlijk, dat is niet de kern van de politieke verantwoordelijkheid. Natuurlijk, als minister bent u verantwoordelijk voor de administratie. Dus een fout, een materiële fout van uw kabinet of de administratie valt rechtstreeks toe te schrijven aan u als minister. Dat is nu eenmaal de essentie van politieke verantwoordelijkheid. En natuurlijk moet u daar ook de juiste conclusies aan koppelen als u zegt dat u verantwoordelijkheid neemt. Maar goed, dat is allemaal in uw persoon natuurlijk dat u dat moet doen. En laatste element is toch wel dat ik wil op de terugkomen, is de financiële maturiteit. U zegt, Brussel heeft nog niet die financiële maturiteit. Wel, Brussel, het gewest, is 32 jaar oud. 32 jaar oud. Bijna zo oud als ik. En sorry, maar dat is misschien een excuus voor een minderjarige, een tiener, die eventjes op het foute pad gaat. Maar een 32-jarige volwassene, daar mag je meer van verwachten dan dit knoeiwerk. Dank u, meneer Van den Borre. Het incident is gesloten. Nous passons à présent à la question du collègue Andichi pour sa question à Madame Van den Brand relative aux incidences du recours au scan-car sur le stationnement en région de Bruxelles-Capitale. Monsieur Andichi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne sais pas ce que vous faites ce soir à 20h20, mais il y a une chouette émission Investigation sur la RTBF. Et j'ai lu un article qui annonçait cette émission. Et dans cet article, ils annonçaient donc, la scan-car qui flash 1200 voitures par heure en région bruxelloise. Et ils mettaient en exemple XL. Donc 5 millions de recettes pour la commune d'XL avant la scan-car. Aujourd'hui, après la scan-car, on est à près de plus de 100%, c'est-à-dire à plus de 9 millions de recettes pour XL. Vous savez qu'en région bruxelloise, en 2018, il y avait plus de 60 000 euros, en 2019, 108 000 euros, et aujourd'hui, en 2021, 160 000 euros par mois avec cette scan-car. Donc on voit très bien que la scan-car, c'est une pompe à fric, ça c'est assez clair. Madame la Ministre, ma question c'était de savoir si vous avez une étude qui nous prouve l'efficacité de cette politique en région bruxelloise. On l'entend souvent que c'est pour lutter contre les voitures ventouses. Voilà, moi j'ai encore jamais vu une étude qui vient nous le prouver. J'attends une réponse par rapport à ça. Je vous remercie. Merci Monsieur Andichi. Madame la Ministre. Alors, il y a une émission ce soir, alors je ne peux pas en commenter. Évidemment, on va tous regarder ça, j'en suis sûre. Peut-être on peut regarder ensemble. Alors, en attendant, ce que je peux vous dire au sujet des contrôles par véhicule scanner. Alors, l'agence de stationnement a décidé d'optimiser le contrôle du stationnement en voirie à l'aide des véhicules scanner parce que cette technologie permet d'effectuer un contrôle plus efficace, comme vous avez aussi démontré. C'est important de dire que l'objectif du contrôle par véhicule scanner, c'est de vérifier que les automobilistes ont payé leur redevance de stationnement. Ni plus ni moins. Si quelqu'un paye son redevance, tout est OK.
En réalité, il faut aussi savoir, c'est stationné, c'est un service que la collectivité propose à ses habitants, à ses visiteurs. C'est un service qui a un coût, qui représente une occupation très importante d'espace et qui est donc rétribuée par des redevances. Et notre système de cartes dérogation permet pour les riverains de bénéficier d'un stationnement à un coût annuel extrêmement réduit dans leur quartier. La technologie des véhicules scanners permet d'augmenter le contrôle, ce qui augmente à son tour le risque d'être sanctionné en cas de non-paiement. Et comme ça, une rehausse de cette perception de risque et nous augmentons la prédisposition des usagers à payer leurs redevances. Et notre but, c'est faire en sorte que les gens payent leurs redevances. De préférence, on n'a pas besoin de faire en sorte qu'il y ait encore des redevances via les scanners. Si tout le monde a payé son redevance, il n'y a pas un problème. Et on peut être tenté de croire que la skincare a été introduite pour augmenter les recettes communales, ce qui n'est pas le cas. Et il faut aussi dire que les recettes qui sont utilisées par les communes sont bien utilisées pour investir dans le CPS et les autres éléments. C'est de l'argent qui est bien utilisé par nos communes. Mais on peut être tenté de croire que c'est fait pour ça. Ce n'est pas le cas. C'est une perception fausse. L'objectif premier est l'optimisation du contrôle de l'usage des places de stationnement, faire en sorte que les règlements qui sont en cours sont respectés. Et rappelons que le scan-car n'a aucun impact pour les riverains qui disposent d'une carte de stationnement, ni pour les détenteurs des cartes de dérogation. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Ndichi, pour une courte réaction. Merci, Monsieur le Président. J'ai failli accepter votre invitation à regarder ce soir Investigation Ensemble, mais quand j'ai entendu vos réponses, moi, je suis encore plus fâché que tout à l'heure. Quand vous dites que c'est un service qu'on rend, mais en fait, c'est une voirie publique, il n'y a pas de service. C'est une voirie publique, il n'y a rien. Donc voilà. Et puis après, vous dites que c'est pour financer des CPS. Moi, j'ai failli tomber de ma chaise. C'est quand même assez hallucinant. Et donc, vous confirmez en fait que c'est une pompe à fric, point barre. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Ce n'est pas du tout pour améliorer. Parce qu'en fait, sous l'ancienne législature, c'était quand même l'argument qui était avancé. C'était d'améliorer le stationnement en région bruxelloise. Ici, vous confirmez juste le contraire, que c'est véritablement pour aller chercher l'argent chez les gens. Moi, j'ai plutôt envie de voir, d'aller à la Louvière, Madame la Ministre, parce que là-bas, il y a une chouette expérience. Il y a quand même une suspension de cette scan-car. Et effectivement, comment ça s'est passé là-bas, c'est que les gens se sont soulevés. Ils ont exprimé leur mécontentement, ils ont trouvé à côté d'eux le PTB et ils ont quand même mis la pression sur cette majorité à la Louvière et ils ont suspendu cette scan-car. Comme quoi c'est possible, Madame la Ministre, de suspendre cette politique-là. Certainement, avec les arguments que vous avancez, je ne comprends pas quel service on remet aux gens. Merci. Merci, Monsieur Ndichi. Sauf si Madame la Ministre veut rajouter quelque chose. Allez-y. Oui, je veux. Voilà. On peut faire des caricatures de tout si vous voulez, mais je répète, le but du scan-car, je l'ai dit explicitement, vous pouvez me contredire, le but du scan-car, c'est faire en sorte si tout le monde a respecté les règles en vigueur. Et si tout le monde paye, et même les riverains qui ont une carte de dérogation, ils ne sont même pas punis d'une manière ou d'une autre, comme vous dites. Non, le but, c'est de faire respecter, de faire un contrôle efficace sur le stationnement dans notre région, ni autre chose, même si vous pouvez le suggérer sans doute. L'incident est clos. Nous passons à présent à deux questions jointes, toujours adressées à Mme Vandenbrand. La question de Mme Parmentier relative à l'annonce de la réalisation par la commune d'Etterbeek d'aménagement cyclable sur une voirie régionale. Endevraag van mevrouw Rochet, tout vous tandis van mevrouw Parmentier, betreffende de westelijke project voor fietspaden op de Tervurenlaan in het licht van de door de gemeente Etterbeek besliste inrichtingen. Madame Parmentier, que je ne vois pas. Si, si. Ah, il faut être en présentiel? Ah, bah oui, Madame Parmentier, ça fait déjà plusieurs mois qu'il faut être présent. Ah, mais je pensais, mais je suis dans le Parlement. Eh bien, on va attendre que vous arriviez, mais Madame Rochette va poser sa question. Vous avez donc quelques secondes pour venir. Vous pouvez éventuellement prendre la piste cyclable qui se trouve dans le couloir. Et sinon, si vous n'êtes pas là avant la fin de la question de Madame Rochette, eh bien la ministre répondra. Mevrouw Rochette. Voilà.
Merci, monsieur le président. Dag, mevrouw de minister. De Tervurenlaan is een van de drukste fietsassen van Brussel. Dat weet u ook. De fietsstelpaal die daar staat, telde nog 176.000 fietsers. Alleen al dit jaar. En het jaar is nog niet voorbij. Toch merken we dat die laan bestaat uit 11 stroken voor de auto en niet op alle plekken een afgescheiden fietspad is. Nochtans weten we allemaal dat de modal shift van de auto naar de fiets eigenlijk een van de belangrijke hefbomen is voor ons gewest om aan de klimaatopwarming, om tegen de klimaatopwarming te strijden. En uw voorganger, minister Pascal Smet, had in 2019 ook al een plan klaar om een fietsverbinding te leggen tussen Merode en Montgomery. Toen al bleek dat de gemeente Etterbeek op de rem ging staan voor dat plan en eigenlijk voorstander was van een afgezwakte versie, twee fietsstroken schilderen aan beide kanten van de Tervurenlaan. Onbegrijpelijk eigenlijk. Ook helemaal in tegenspraak met wat dat de Fietsersbond en GRAC bijvoorbeeld al jaren voor pleiten. En wat blijkt nu gisteren? Dat de gemeente Etterbeek eigenlijk solo slim het woord bij de daad gevoegd heeft en daar met een rode verf twee aparte fietsstroken heeft geschilderd. Tot ieders verbazing, want het is een gewestweg, hè, het is dan nog in het rood en niet in okergeel. En we horen dan van meneer de burgemeester van Etterbeek dat dat wel in de plannen was, dat u op de hoogte was. Dat is dus een van mijn vragen dat ik daarover wil stellen. Hoe komt het eigenlijk dat het vorige plan al 2,5 jaar stil ligt? Wat zal er nu ook gebeuren? Hè? De regels zijn overtreden daar. Hoe wordt dat vandaag rechtgezet? Kan u bevestigen wat meneer de burgemeester van Etterbeek zegt, okay, dat u op de hoogte was? En tot slot, wat zijn uw ambities voor de fietsinfrastructuur op de Tervurenlaan deze legislatuur? Dank u, mevrouw Rochette. Je cède à présent la parole à notre collègue Parmentier, que je félicite pour la rapidité avec laquelle elle a rejoint notre hémicycle. Vous avez la parole. Merci. En tout cas, je n'ai pas de Covid. 4 étages en courant sans problème. Donc, Madame la ministre, effectivement, on a été très surpris, je pense que vous aussi, de découvrir lundi ces pistes cyclables sur l'avenue de Tervuren. Ce qui, en soi, n'était pas une mauvaise idée puisqu'on les attend depuis longtemps, mais la manière était pour le moins expéditive et pose évidemment beaucoup de questions. Donc, c'est gentil. Merci. Je me dépêche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, le bourgmestre qui a tracé ces pistes cyclables a invoqué le fait que le projet qui était en cours avec la région mettait trop de temps, à son avis, à arriver. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a retardé ce projet régional? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi... J'attends que monsieur est fini, parce que là, ça va pas... Ah bon, ok. J'essaie de reprendre mes idées. Est-ce que vous pouvez nous dire si le bourgmestre, pour tracer ces pistes cyclables, a suivi toutes les procédures habituelles, c'est-à-dire demande de coordination chantier, audit sécurité routière, on est quand même sur un axe potentiellement dangereux, l'avis du CIAMU, est-ce que les cyclistes, les associations cyclistes ont été consultées, etc. Et puis, évidemment, que va-t-il se passer maintenant? Donc, ces pistes, elles sont là. Quelles vont-elles devenir? Et comment s'assurer que cet aménagement soit bien conforme à la sécurité routière? C'est quand même très important. Voilà. Je vous remercie. Merci, Madame Parmentier. Madame la ministre. Voilà. Tout d'abord, mes félicitations à Madame Parmentier pour sa vitesse. Misschien inderdaad herhaal, waar beginnen ze? Mevrouw Rochette, zoals u zegt, van er was een plan dat op tafel
lag. Een van de meerdere plannen die ik over heb gekregen van mijn voorganger Pascal Smet, die ik ook heel graag in uitvoering zou brengen. Omdat inderdaad op die manier een heel belangrijke as, een van de meest befietste assen van het gewest, op die manier eindelijk een missing link die er is, zou ingevuld krijgen. Het is een dossier, zoals u zegt, dat al vast staat van het moment dat het op tafel is gekomen. Aanvankelijk zat het vast bij de gemeente Etterbeek. Waardoor en de gemeente Woluwe had positief advies gegeven. Waardoor ik, eens ik het dossier had overgenomen, natuurlijk met de gemeente Etterbeek wij gaan praten om te kijken van kunnen we hier toch geen oplossing voor vinden. En waar dat er in twee fases een oplossing mogelijk leek in juni 2020, waarbij we enerzijds wel het project, zoals mijn voorganger had uitgewerkt, tijdelijk zouden inrichten. En dat we ook ons engageerden om een definitief project uit te werken, waarbij dat er oversteek tussen de beide kanten mogelijk zouden zijn, omdat momenteel die Ter Vuurlaan echt een muur is die tussen twee wijken splitst, om te zorgen dat er een transversaliteit tussen die muren mogelijk zou zijn. Zelfs indien dat akkoord in principe rond was, is de gemeente vragen blijven stellen tot enkele maanden geleden om toch nog aanpassingen aan het plan te doen. Dus een definitief akkoord waarbij alle plannen goedgekeurd waren, was er helaas nog niet. En dan, eens we dat akkoord hadden, bleek op dat moment dat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, want het project gaat veel verder dan enkel het stuk tussen Merode en Montgomery. Het is ook het rondpunt Montgomery en ook een stuk erachter, dus op het stuk Merode. We willen heel de missing link aanpakken, niet enkel een deel zoals vandaag. Die hele missing link, Sint-Pieters-Woluwe, die aanvankelijk een positief advies hadden gegeven, zijn daarop teruggekomen en hebben, omwille van het schrappen van parkeerplaatsen dat er voorzien waren, en hebben gevraagd om ook een ander, minder ambitieus project uit te werken. Zoals u weet, kan zeggen, ja, waarom gaat u dan niet in forcing, zoals de burgemeester heeft gedaan? En daar moet ik op antwoorden dat in dit gewest, en daar kunnen we gefrustreerd over zijn, maar het is nu zo, dat al, wanneer een gewest op een gewestweg infrastructuurwerken wil doen, dat de gemeente die werken kan laten stilleggen via de politie. Omgekeerd is niet mogelijk, ook al is een gemeente bezig op een gewestweg. Dus dat is de reden waarom wij een akkoord moeten vinden om die uitvoering mogelijk te kunnen maken. Het is een dreigement dat niet enkel juridisch bestaat, het is ook effectief geuit geworden door de gemeenten dat indien zij niet akkoord waren, ze ook de werf zouden laten stilleggen. Dus ik deel de frustratie, want ik had daar ook al heel lang dat project in uitvoering willen leggen, ik deel de frustratie dat de zaken traag gaan, maar ze gingen traag omdat er blokkages waren van eerst de ene en dan de andere gemeente. Alors, je veux répéter, Madame Parmentier, aussi que mon engagement est évidemment de faire le plus possible de pistes cyclables dans cette région, de rendre la cyclabilité de cette région dans un autre niveau qu'elle est actuellement, pas une nouvelle ambition, comme je l'ai déjà dit, mon prédécesseur avait la même ambition. Vous me demandez sur le fait si les aménagements sont légaux. Alors, je dois dire que l'aménagement et l'ordonnance fait par le bourgmestre de Wolf ne respectent pas les prescrits légaux. Il n'est pas gestionnaire de ce voirie, il n'a pas demandé l'avis CMU, il n'a pas eu d'audit de sécurité routière, il n'a pas respecté l'ordonnance de coordination des chantiers. De plus, personne n'a été concerté, même son propre collège n'avait pas accès au plan en amont. Tout d'abord, je suis aussi optimiste, je veux être optimiste, que le fait que l'urgence pour la cyclabilité est partagée, ça c'est quelque chose qui est bien. Évidemment, il faut respecter les procédures et je constate que les membres d'une partie politique qui avant se plaignent bien de manque de concertation de ma part ou en plein urgence, alors que nous respections toutes les procédures légales, que maintenant, apparemment, l'urgence fait qu'il ne faut plus avoir de concertation, il ne faut même pas utiliser des méthodes véritables régulières. Mais la question, la vraie question qui est là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'infrastructure qui est là? Et je peux, à ce stade, ça, pas faire de déclaration définitive. À la suite d'une réunion qu'on a eue lundi dernier, un avis de sécurité routière a été demandé à Bruxelles Mobilité. Bruxelles Mobilité l'a fait en urgence, déjà lundi, alors je remercie les services pour faire en sorte qu'au moins qu'il y ait l'urgence absolue qui est là, c'est d'éviter des situations dangereuses. Alors, nous avons évidemment communiqué les remarques que notre service de sécurité routière a fait à la commune. On a proposé encore des adaptations au projet et il y a des adaptations qui sont déjà faites. Mais ce qu'on va faire dans les jours à venir, c'est vraiment analyser ce qui a fait, parce qu'on n'avait pas reçu les plans en amont, on n'était pas au courant en amont. Alors, on va analyser ce qui a fait exactement sur place. Si nécessaire, on va encore proposer des améliorations durables si rapidement que possible, pour faire en sorte que cet axe soit cyclable. Et évidemment, on parle maintenant d'une tronçon, mais il faut parler de tout l'axe. Et pour ça, je vais faire que les gens responsables doivent faire dans cette situation, c'est de retourner à Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre pour trouver des solutions, pour faire en sorte que tous les usagers peuvent s'y déplacer en toute sécurité sur tout l'axe de Ter Vuren.
Dat was ook nog een vraag van mevrouw, daar ga ik me eindigen, van mevrouw Rochette, van ja, wat zijn uw plannen? Dus ik wil herhalen dat er op de hele as meerdere projecten zijn. Ja, dit project dat tot een stuk in Sint-Pieters-Woluwe gaan. Wij hebben tijdens de COVID-periode ook aan de gemeente voorgesteld om een baanvak te veranderen, om er een fietspad op te leggen op de hele Tervuren as, om op die manier echt een echte befietsbaarheid mogelijk te maken. Ook dat project is geweigerd. Er is een project met Vlaanderen om ook te zorgen dat er een overgang is over het Vierarmenpunt, dat ook geweigerd is. Dus voor mij blijft de doelstelling om die hele as befietsbaar te maken en mogelijk te maken. Dat is, et pour faire cela, il faut faire en sorte qu'on joue pas des jeux politiques, mais qu'on avance vraiment dans un esprit de collaboration. Mevrouw Rochette. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw uitgebreid antwoord. Ja, ik kan alleen maar vaststellen dat het heel triest is dat twee gemeentes in een gewest van 19 gemeentes in staat zijn om constructieve projecten zo te blokkeren, waar dat ze eigenlijk de veiligheid van duizenden fietsers in gevaar brengen en waar dat ze de mobiliteit, zachte mobiliteit blokkeren. En ik denk als ze zo voortdoen, dan gaan we in Brussel heel, heel veel voorstanders krijgen voor één Brussel en voor een project waarmee dat we tenminste vooruit geraken en dingen kunnen realiseren voor de Brusselaars. Bedankt voor uw engagement en ja, veel succes. Madame Parmentier. Ben oui, je voulais aussi remercier la ministre évidemment pour ses réponses et effectivement un aménagement fait comme ça à la hussarde sans consulter personne. Enfin, c'est même stupéfiant qu'on puisse encore faire ça aujourd'hui, hein. Franchement, moi, je trouvais ça vraiment scandaleux. Voilà, je me permets de le dire. Et donc, on espère qu'au moins ça fera bouger les choses et qu'on finira par avoir un aménagement correct sur cet axe et que les demandes des cyclistes seront aussi respectées parce que des unilatérales sur un axe difficile à traverser, c'est vraiment pas idéal. Donc, soit on augmente le nombre de traversées, soit on met des bidirectionnels, mais donc on peut considérer que c'est provisoire et que c'est mieux que rien, mais on attend évidemment une montée en qualité et en sécurité de cet aménagement avec les consultations nécessaires de la sécurité routière, du CMU, des cyclistes, etc. Et je vous souhaite bon courage parce que c'est pas facile et qu'on espère que cet axe sera bientôt cyclable en confort et en sécurité. Merci. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de notre collègue Ostrate, adressée initialement à M. Marron, mais je pense que c'est Mme Vandenbrand qui répondra, relative à l'inscription éventuelle de la friche Josapha comme zone à haute valeur biologique. Mme Ostrate, vous avez la parole. Madame la ministre, le mois dernier, ma collègue Ingrid Parmentier interrogeait le ministre Alain Marron concernant la mise à jour et la publication, le retard dans la publication de la carte d'évaluation biologique de Bruxelles Environnement, qui recense les zones étant particulièrement intéressantes en termes de biodiversité. Alors, à l'heure actuelle, cette carte n'est toujours pas accessible au grand public. Cependant, elle a été présentée au Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature et une information intéressante a été rapportée par la presse. En effet, selon BX1 et Bruce, la friche Josapha serait désormais recensée comme étant une zone à haute valeur biologique et une partie de cette friche serait même reconnue comme étant une zone à très haute valeur biologique. Alors, si cela est avéré, cette information est importante car, d'une part, le projet de PAD Josapha menace la friche de travaux qui sont bien éloignés des prescriptions du PRAS en matière de zones à haute valeur biologique. Et d'autre part, toutes les procédures qui ont lieu relatives au projet de PAD ces derniers mois n'ont pas pu se baser sur les expertises les plus récentes. Je pense notamment à l'adoption en première lecture du projet de PAD, aux avis des communes d'Evere et de Scarbeck, ainsi qu'à l'enquête publique qui est toujours actuellement en cours. Alors, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes. Pouvez-vous, premièrement, nous confirmer cette information selon laquelle la friche Josapha est désormais reconnue, recensée comme étant une zone à haute valeur biologique? Deuxièmement, pouvez-vous nous indiquer quelles conséquences cela aura concernant le projet de PAD Josapha? Et troisièmement, étant donné que le PRAS est en cours de révision, pouvez-vous nous dire si le gouvernement a l'intention, éventuellement, de calquer la carte du PRAS sur la carte des zones à haute valeur biologique de Bruxelles Environnement pour lui conférer un certain caractère contraignant. Je vous remercie. Merci Madame Ostrate. Madame la Ministre.
Alors, avant de répondre à votre question, et parce que les informations apparemment erronées ont circulé dans la presse la semaine dernière, il me paraît important de remettre le contexte de l'existence de cette carte et de redire ce qui est la carte évaluation biologique et ce qu'elle n'est pas. Alors, Bruxelles Environnement a pour mission de produire des outils de données servant à la mise en œuvre du plan nature. Récemment, Bruxelles Environnement a aussi actualisé la carte d'évaluation biologique, le CEB, dans un format révisité et plus intuitif, qui octroie un score allant de A à E à toutes les surfaces régionales. La CEB est une carte indicative, complémentaire à la carte du coefficient de biotope par surface, de la carte du couvert végétal 2020 et de la carte du réseau écologique bruxellois, la carte des carences et des espaces verts, également publiée par Bruxelles Environnement. Cet ensemble de cartes est destiné à alimenter la gestion environnementale et urbanistique de la région bruxelloise. La carte est donc un outil de connaissance, et je rappelle donc que la carte en soi n'a pas une force réglementaire, elle est un outil de l'aide à la décision. L'ensemble des cartes que je viens de citer font l'objet d'un travail d'actualisation régulier. Une fois toutes les cartes actualisées en main, il sera alors possible de dresser des constats, identifier les tendances et de sélectionner des indicateurs pour le suivi à plus long terme de l'efficacité des stratégies régionales en matière de protection et de développement de la nature. Ces interprétations seront donc proposées dans un second temps dans le cadre des rapports sur l'état de la nature et sur l'état de l'environnement. Alors, concernant le cas particulier du site Chosafat, je dois d'abord souligner que les articles de presse que vous mentionnez confondent la notion de site à valeur biologique à hôtel qu'elle est évaluée par le CEB et la notion de zone à haute valeur biologique telle que définie régulièrement dans le PRAS. Ce sont deux choses différentes et qui impliquent des obligations particulières de protection. La carte évaluation biologique actualisée met en évidence la valeur biologique d'une part de la zone située de l'ouest des voies ferrées, classée A, et l'importance de la connexion de cette zone avec le reste du site classé B ou C. Ces informations étaient connues de la part des auteurs du projet de PAT et de son étude d'incidence. La deuxième version du PAT, actuellement soumise à l'enquête publique, a déjà proposé de sanctuariser une partie de la zone A en reconnaissant et à reconstruire et à développer des connexions écologiques à travers l'ensemble du site. L'enquête publique est en cours et le débat reste encore ouvert. La publication de cette carte se fera au plus vite et en principe encore ce mois en novembre, après passage au gouvernement. L'objectif est donc simple, en faire un véritable outil d'aide à la décision au service d'une ville plus résiliente sur le plan d'environnement et de la biodiversité. Tel est l'objectif du ministre Alain Maron. Merci, Madame la Ministre. Madame Ostrate. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. Et donc, ça confirme cette reconnaissance de la friche Josaphat comme étant une zone à haute valeur biologique. Je pense que les naturalistes qui ont recensé 1200 espèces sur ce site ne seront pas étonnés. Pour eux, c'est une évidence. J'aimerais rappeler que l'établissement de la carte du PRAS est requise par l'article 20 de l'ordonnance nature, qui prévoit d'ailleurs dans son second paragraphe que le gouvernement peut désigner comme réserve naturelle les sites dignes de protection. Donc, je ne peux que vous encourager vivement pour que la carte du PRAS soit alignée sur cette carte d'évaluation biologique de Bruxelles Environnement, bien qu'elle ne soit pas contraignante, parce qu'elle indique quand même quelque chose d'assez important qui doit absolument être pris en compte dans le PAD. Et je pense que dans un monde formidable où la gouvernance régnerait, cela changerait énormément de choses concernant le PAD. Je vous remercie. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Madame Nagy, adressée initialement à Monsieur Vervoort. C'est Monsieur Gatz qui répondra, relative au contrôle du Covid Safe Ticket en région de Bruxelles capitale. Madame Nagy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'aurais voulu vous interroger le ministre-président sur la question de l'interprétation et l'application du CST qui, depuis le 1er novembre, est donc contraignant pour l'ORECA, le secteur des événements, le culturel. Alors, il semblerait, voilà, je mets inconditionnel, il semblerait que certains policiers appliquent des contrôles de manière assez zélée et donc imposent, notamment aux restaurateurs, le fait de contrôler non seulement le CST, mais aussi l'identité. Alors cela, vous conviendrez avec moi, est assez complexe parce que ça suscite déjà beaucoup plus de
difficulté de voir s'il y a concordance entre l'identité et le COVID safety kit. Alors, il semblerait que c'est une interprétation conforme à l'arrêté, donc je voulais que vous me confirmiez cette conception. Je voudrais aussi savoir si c'est appliqué de la même manière sur l'ensemble des territoires de la région, par l'ensemble des communes, s'il y a une circulaire interprétative qui a été envoyée aux communes, et est-ce que vous pensez que c'est logique de confier le contrôle d'identité, la fraude éventuelle à l'exploitant, et alors qu'il me semble que c'est plutôt la tâche de la police. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci, Madame Nagy. Monsieur le ministre. Merci. Donc, la réponse au nom du ministre-président. Le 15 septembre 2021, en présence du ministre bruxellois de la Santé, le ministre-président a eu l'occasion de réunir le CORES afin de répondre aux nombreuses questions pratiques des bourgmestres et de recueillir en amont leurs positions concernant notamment l'instauration du CST et le système de sanctions à envisager en cas de non-respect des règles d'utilisation de ce CST. Lors de ce CORES, aucun des bourgmestres bruxellois ne s'est prononcé contre le mécanisme ou n'a fait état de son incapacité à faire respecter une telle mesure. En revanche, ils étaient demandeurs d'un mécanisme simple et uniforme. Comme vous le savez, ce souhait a été entendu et rencontré puisque les amendes pénales ont été retenues en lieu et place des amendes administratives qui les auraient obligées à devoir assurer le suivi des comportements infractionnels et de prendre en charge les éventuelles contestations. Ce mécanisme administratif aurait pu aboutir à des approches différenciées dans les sanctions du non-respect des règles liées au CST. Cela n'est pas le cas en ce qui concerne les amendes pénales, vu qu'elles sont constatées par les policiers et ensuite transmises au parquet. Concernant ces contrôles policiers, ce sont les règles générales qui s'appliquent. Une circulaire ministérielle GPI 94 bis du 28 octobre 2020 concernant les directives consécutives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19 et au suivi policier est bien connue des services de police. Il y a donc bien une approche commune sur l'ensemble des 19 communes. Sachez également que le 13 octobre dernier, le ministre-président, en présence du ministre de la Santé, a de nouveau réuni le CORES pour répondre aux interrogations pratiques qui remontaient du terrain. La réunion avait une nouvelle fois permis d'apporter des clarifications. Elle fut d'ailleurs aussi l'occasion de mettre en avant l'ensemble des outils de communication et de vulgarisation utiles à l'application et au contrôle du CST. Pour le surplus, au terme de l'accord de coopération relatif au CST, l'exploitant ou l'organisateur de l'événement a le droit et même le devoir de contrôler les CST, et pour ce faire, ils établissent une liste de personnes habilitées à effectuer ce contrôle. Les personnes reprises sur ces listes sont alors autorisées à vérifier le QR code au moyen de l'application COVID-Scan et de s'assurer que ce QR code correspond à l'identité de la personne qui le présente. Cette vérification peut se faire par le biais de toute pièce officielle d'identité, une carte d'identité, un permis de conduire, un passeport, etc. Bien entendu, aucun enregistrement des données n'est autorisé. Si les CST n'est pas en ordre ou en cas de refus d'un visiteur client de se soumettre au contrôle d'identité, l'exploitant ou l'organisateur doit refuser l'accès à la personne en question. Il peut faire appel aux forces de l'ordre si nécessaire. Sachez que de nombreuses réponses à différentes questions liées au CST sont également disponibles sur le site coronavirus.bruxelles. Voilà la réponse du ministre-président. Merci, monsieur le ministre. Madame Nagy. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la réponse. En fait, je ne sais pas si vous enfin, j'imagine, comme tout le monde ici, il vous arrive d'aller au restaurant, au café, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on demande le CST assez bien, mais j'ai l'impression que le contrôle de l'identité ou de la conformité du CST n'est pas vraiment quelque chose de courant. Et donc, si des policiers un peu zélés veulent imposer cela à certains responsables d'établissement, c'est un peu problématique. Donc, je pense et je permets de soumettre cette question
à votre réflexion, parce que ça risque vraiment de poser des difficultés. Peut-être que c'est assez marginal, et peut-être que ça se joue dans des établissements très très fréquentés, mais je pense que la majorité des responsables d'établissements ont déjà beaucoup de, enfin, font déjà un effort en demandant le CST, mais n'iront pas jusqu'à demander l'identité de la personne. Voilà. En tout cas, merci pour votre réponse et je soumets quand même votre réflexion, si vous voulez bien la transmettre au ministre président, parce que ça me semble des faits dans le réel de l'application. Merci. Nous passons à présent à la question de Monsieur Busselen. Vraag van meneer Busselen. Hein? Mais elle n'est pas présente. Ah, elle est là, parce que d'habitude elle est assise là, donc je ne l'avais pas vue. Alors nous passons à la question, désolée Madame de Baz, je pensais que vous n'étiez pas présente. Nous passons à la question de Madame de Baz relative aux mesures éventuelles pour promouvoir Health Safety Label en région de Bruxelles-Capitale. Mevrouw de Baz, ja. U hebt het woord. Ja, dankjewel. Ik heb even een papier bij, want er heel veel cijfers op staan. Ik kan ze niet allemaal onthouden. Meneer de minister, vorige week berichtte de pers, ik weet niet meer precies welke krant, dat het Health Safety Label eigenlijk ja, een flop zou zijn. Dat is het woord dat zij gebruikten. Omdat er van de 3000 potentiële horeca-etablissementen maar 158 zo'n label zouden aangevraagd hebben en gebruiken. En dat is, zoals u weet, bedoeld om mensen, klanten op hun gemak te stellen, dat mensen weten, aan dit etablissement gebruikt wel degelijk of volgt de regels. En daarvan zijn er 48 toeristische accommodaties, 36 attracties en musea, 29 theaters, 25 bezienswaardigheden, 4 restaurants en cafés, maar terwijl ja, hier in Brussel, ik weet niet precies hoeveel, maar honderden restaurants en cafés zijn. Dus we weten, nee, dit werkt niet. Dat is inderdaad een flop, denk ik. Was toch wel het juiste woord dat Bruce, denk ik, was het, gekozen had. Dus ben ik toch wel benieuwd hoe dat komt, dat er zo weinig zijn die daar gebruik van maken. Heeft dat een stuk te maken met het feit dat er misschien bepaalde aanvragen geweigerd werden? Heeft u zicht op hoeveel aanvragen er waren? En zijn er die dat niet hebben gekregen? Of is er gewoon geen animo bij de horeca-etablissementen om het te gebruiken? En vooral, hoe gaat u en uw collega's natuurlijk het oplossen om al die horeca-etablissementen, maar ook anderen die daaraan onderworpen zijn, te overtuigen om dat alsnog te gaan gebruiken? Is er bijvoorbeeld overleg met de horeca Federatie, of denkt u aan andere maatregelen? Ik dank u wel vast. Dank u, mevrouw de Baat. Meneer de minister. Dank u wel. Ook hier zal ik het antwoord van de minister-president naar voren brengen. De actie rond het Health Safety Label is een actie op langere termijn ook, hè, die vooral gericht is op de periode na de lockdowns en de periodes dat de incidentie van de besmettingen over haar hoogtepunt heen is. Op dat moment is het nog altijd de overtuiging dat het label ervoor zal kunnen zorgen dat de locaties die het label gebruiken opnieuw normaal bezoekers kunnen ontvangen zonder dat dit de publieke gezondheid in gevaar brengt. Dit label helpt de uitbaters die beroep doen op deze certificering om de beste mogelijke veiligheidsmaatregelen na te leven door onder meer een aantal checklists. Het label stelt daarnaast de bezoekers ook gerust met de wetenschap dat de locatie die zij bezoeken veilig is. Het etiket werd gelanceerd in een fase van lockdown waarin bijna alle beoogde inrichtingen gesloten moesten blijven. Het heeft wel sinds het begin van zijn lancering een betrekkelijk succes gehad in de hotelsector die tijdens de lockdown wel nog gedeeltelijk open bleef. Naarmate de lockdowns en de vrijheidsbeperkingen naar hun einde liepen, kwamen ook andere sectoren die zich aan de lijst toevoegden erbij. En deze andere sectoren bleven lange tijd stil liggen en onder meer de heropening van de restaurants en cafés moest zeer snel georganiseerd worden met niet altijd uitgebreide teams ter plaatse en middelen. En de drukte die zij moesten investeren in de operationele organisatie van hun heropeningen verhinderde wellicht lange tijd of toch een bepaalde tijd het vervullen van de procedures verbonden aan dit Health Safety Label. Inderdaad, 158 etablissementen hebben het label. Geen enkel etablissement werd geweigerd. In geval van tekortkomingen in de binnenkomende dossiers ondersteunde Visit Brussels zijn partners om hen te helpen de nodige maatregelen uit te voeren. En in dit verband werden ook uitwisseling van goede praktijken met deze partners georganiseerd en gedeeld. Het certificeringsbureau Socotec heeft in oktober 100 inrichten steeksproefsgewijs geïnspecteerd, dus er is een opvolging.
Controles werden willekeurig uitgevoerd en in 2022 zullen ook verdere inspecties worden gepland. Als er een inbreuk is op de geldende procedures bij deze controles, wordt steun verleend om de situatie te verhelpen. Verder is en blijft Visit Brussel in gesprek met Socotec, de firma dus die via een aanbesteding werd aangesteld om dit project op te volgen en te controleren, om een procedure op te zetten voor de vernieuwing van het label in 2020 voor de gelabelde etablissementen. Zodra deze procedure is ingevoerd, is het en blijft het wel degelijk de bedoeling dat Visit Brussel de partners informeert, opnieuw bewustwakingscampagnes start om het aantal gelabelde inrichtingen te verhogen. Hoe moeten we die communicatiecampagnes zien? Het gaat over gerichte e-mailcampagnes. Het gaat over het herpromoten via LinkedIn en Facebook van de bestaande videoclip. Het gaat over de organisatie van specifieke voorlichtingsbijeenkomsten voor het label met vragen en antwoorden. Het gaat ook over de deelname aan vergaderingen van derden om het label voor te stellen. Niet alleen Visit Brussel doet het ook, maar ook Hub Brussel, de maïssector en dergelijke meer. En het gaat, want dat blijft belangrijk, over een directe follow-up communicatie en bewustmaking via de federaties om hun leden te activeren. Tot zover het antwoord. Dank u, meneer de minister. Mevrouw De Baas. Als ik kort mag repliceren, ik dank de minister natuurlijk, die ik denk in naam van minister-president ook, hè, het antwoord heeft gegeven. Maar ik zie hier toch wel een parallel tussen het feit dat heel weinig horeca-etablissementen blijkbaar de CST-regelgeving volgen uit steekproef. En blijkt dat 3 op 4 het niet doen. Eigenlijk een laarzer lappen aan alle geldende regels en afspraken daar rond. En dus blijkbaar ook helemaal het belang niet inzien van dit health-safety-label, dat, zoals u terecht zegt, net bedoeld is om in die vierde golf waar we zitten, mensen toch wel bewust te maken van het feit dat zij wel de regels respecteren. Dus ik denk sensibiliseren samen met partners, hè, waar u naar u verwijst, dat is zeker goed. Maar er zal meer nodig zijn dan sensibiliseren. In die zin treed ik de vraag van mevrouw Nagy toch ook wel bij dat er toch ook wel een deel controle en meer controle zal moeten zijn om ervoor te zorgen dat al die cafés en restaurants de regels respecteren zoals iedereen moet doen en zoals zij dus ook wel degelijk moeten doen. Dank u, mevrouw De Baas. Het is nu de beurt aan collega Busselen voor zijn vraag aan de heer Vervoort betreffende maatregelen voor de Brusselse cultuur- en evenementensector in het kader van de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Meneer Busselen, u hebt het woord. Dank u, meneer de voorzitter. Beste collega's, deze week konden we zien dat de gemeente Knokke en Houthulst besliste om alle indoor-evenementen op te schorten voor de komende maand. Dat heeft natuurlijk voor onrust gezorgd in de evenementen- en de cultuursector. We zagen dit weekend acties van Sound of Silence, een initiatief van de evenementensector hier in Brussel, die zegt denk aan ons, vergeet ons niet, want het gaat niet goed. We zitten nog altijd met slechte verkoopcijfers. We zitten met een imago, een slecht imago, want mensen zijn bang om naar de zalen te komen, naar de voorstellingen. En ook Tom Bonte, denk ik, van de AB en zijn collega's van de KVS en van La Botanique zeggen, sluit de sector niet, zou de doodsteek betekenen van verschillende kleine zalen. Het is een sector die eigenlijk altijd een beetje naar achter werd geplaatst in de zin dat zij het eerst sloten, maar ook het langst gesloten bleven. Terwijl ze toch procedures hadden uitgewerkt conform de CIRM, de COVID Infrastructure Risk Management. Er heerst veel frustratie, maar ook angst in die cultuursector. En dus mijn vragen zijn de volgende. Wat vindt u van dat standpunt om de cultuursector mogelijk te sluiten, mocht die vierde golf doorrollen? Twee, zijn er maatregelen genomen, nu al, om er eigenlijk voor te zorgen dat die sector terug wordt gepromoot, dat mensen terug worden aangezet om te gaan naar cultuurevenementen, omdat het evenementen zijn die veilig zijn. Dat hebben verschillende studies ook aangetoond. En ten derde, voorziet u op een of andere manier extra ondersteuning om ervoor te zorgen dat zij niet opnieuw de kop van Jut zijn, dat zij niet opnieuw de eerste zijn die sluiten en de laatste zijn die opnieuw open mogen. Ik dank u. Dank u, collega Busselen. Meneer de minister,
Ja, dank u wel. Ook hier het antwoord in naam van de minister-president, die duidelijk aangeeft dat met betrekking tot de positie van andere gemeenten waar de vraagsteller naar verwijst, hij zich niet wenst uit te spreken over de beslissingen van andere overheden. Het is immers zo dat de minister van Binnenlandse Zaken elke overheid toelaat om op het grondgebied bijkomende maatregelen te kunnen nemen, indien de epidemiologische situatie dat vereist. Brussel heeft er, zoals u weet, voor gekozen om het gebruik van het COVID-safe-ticket op basis van het samenwerkingsakkoord daarover maximaal uit te breiden, zodat het door de gezondheidssituatie niet opnieuw sluitingsmaatregelen zou moeten nemen. En zo hebben we het gebruik van de coronapas voor onder meer de cultuursector ingevoerd. Vlaanderen heeft dat oorspronkelijk niet gedaan. En daardoor hebben wij tot dusver geen strengere maatregelen in Brussel moeten nemen, zoals verplichte sluitingen. De ondersteuning van de culturele apparatoren valt wel degelijk voornamelijk onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. Niettemin heeft het hoofdstedelijk gewest in het verleden de evenementen- en cultuursector wel als steun toegekend in de vorm van premies om de stilgevallen activiteiten voor een stuk te compenseren. En daarnaast heeft dit de sector ook zeker geholpen om sanitair materiaal aan te schaffen en te zorgen voor een betere ventilatie. Voor het overige, en ik citeer de minister-president, is de ondersteuning van de operatoren in de cultuurwereld wel degelijk een zaak van de gemeenschappen. Tot zover het antwoord. Dank u, meneer de minister. Meneer Busselen. Ja, dank u, meneer Gats, voor de antwoorden van de minister-president. We hebben hier inderdaad de CST, het COVID-safe-ticket. Daar was weinig enthousiasme voor in de cultuursector. Er is nog een carte blanche verschenen daarover ook. Er was ook weinig consultatie, vond de sector zelf. Die wordt nu door de overgrote meerderheid van de zalen gerespecteerd. Zoals u in het antwoord zegt, is cultuur een gemeenschapsbevoegdheid en dat toont ook wel een beetje de absurditeit van heel de complexiteit, maar ook de absurditeit wanneer dat we in een crisis zitten, want we zitten hier op Brussels grondgebied en dan gaan de gemeenschappen die ieder hun eigen regels hebben, misschien verschillende maatregelen nemen en gaan we hier misschien opnieuw een beetje een soep hebben waar we het bos door de bomen niet meer heen zien. Ik hoop dat dat niet het geval zal zijn. Ik hoop dat we hier een coherente aanpak kunnen doen. En ik hoop ook vooral eigenlijk dat we een lans breken voor een sector die het gewoon zo moeilijk heeft gehad en die elke keer opnieuw op de laatste plaats komt. Ik dank u. Dank u, meneer Busselen. Nous passons à présent à la question de madame Tchekalski, adressée initialement à monsieur Vervoort, concernant la participation du gouvernement à la Semana Belga, organisée à la Havane par l'ambassade de Belgique à Cuba. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Pas vraiment, non. Voilà. Monsieur le ministre, donc je suppose que vous transmettrez mes questions à monsieur le ministre président. Donc après un déplacement à Ankara, le ministre président effectue en ce moment une mission officielle à Cuba. Le but de cette mission est de renforcer les collaborations avec Cuba dans le cadre de la Semana Belga à l'invitation du ministre cubain de la Culture. Une trentaine de personnes font partie également de cette délégation. Permettez-moi de vous poser plusieurs questions. Quels sont à ce stade les accords conclus entre notre région et Cuba? Pourquoi cette mission? Pourquoi maintenant? Quels sont les liens entre la région bruxelloise et Cuba? Et en quoi est-ce que cette mission est prioritaire en ces temps difficiles? Je vous remercie pour vos réponses. Monsieur le ministre. Voilà, monsieur le président, avant de répondre à madame Tchekalski, je tiens quand même à souligner que je mérite bien un cigare du ministre président à son retour à Bruxelles. C'est pour le rapport. Madame la députée, monsieur le ministre président constate avec plaisir que vous suivez avec attention les différentes missions qu'il mène à l'étranger. La plupart des missions qui prennent place cet automne ont été reportées à de multiples reprises, vu la crise sanitaire du Covid-19. C'est le cas également des visites d'État, celle qui se déroulera en Italie du 1er au 3 décembre. C'est aussi le cas de celle à Cuba, en ce moment dont il est totalement prématuré de faire le bilan aujourd'hui. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la 16e édition de la Semana Belga.
semaine consacrée à la promotion de l'art belge qui met à l'honneur cette fois les thématiques de l'art brut et de la bande dessinée. Plusieurs institutions artistiques bruxelloises participent à cet événement. Un autre volet de la mission en cours est la collaboration universitaire autour de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé. Outre l'art et la recherche, diverses collaborations nouvelles sont à l'agenda de la mission dans le cadre de l'accord de coopération qui lie la région à la capitale cubaine depuis plus de 20 ans. Le ministre-président sera à votre disposition dès son retour pour plus de détails. Voilà. Merci, Madame Tchaïkovski. Merci, on rigole, mais c'est plutôt un sujet sérieux et une question sérieuse. En tout cas, le timing de cette mission pose question. Alors que nous sommes en pleine quatrième vague, que Bruxelles est encore et toujours à la traîne en matière de vaccination, que l'état des finances bruxelloises est catastrophique, qu'il n'y a toujours pas d'accord en termes au climat à la COP, alors que le tourisme peine à redémarrer au sein de notre région, que l'Horeca galère, que c'est un échec aussi du pass bruxellois en matière de tourisme, tout va bien, notre ministre-président va à Cuba au soleil. En tout cas, il aurait mieux fait de se rendre dans des pays voisins, par exemple, pour donner envie aux touristes de venir visiter notre belle capitale. Il est aussi important de promouvoir le tourisme intra-belge, à l'instar peut-être de ce que ma collègue, Madame Valérie Debu, ministre en charge du tourisme en Wallonie, a mis en place. Mais je ne manquerai pas de revenir vers le ministre-président plus en détail pour avoir plus d'infos quant aux accords qui ont été conclus durant cette mission. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Monsieur le Ministre, de m'avoir transmis ces éléments de réponse. Merci, Madame Tchaïkovski. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Monsieur Weitzman, adressée initialement à Madame Tracht. Je pense que c'est Madame Van den Bram qui répondra. Madame Tracht étant en quarantaine, mesure de recouvrement de primes de soutien économique accordées aux entreprises sociales d'insertion dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Monsieur Weitzman, vous avez la parole. Madame Tracht est aussi à Cuba, Monsieur le Président? Non, elle était là ce matin à distance, quarantaine. Elle est en quarantaine. Et elle je ne suis peut là, en fait, je vous écoute, Monsieur. Elle ne peut pas malheureusement me répondre depuis... Ce qui vaut pour les députés, vaut pour les ministres. Vous avez raison, Monsieur le Président. Les questions d'actualité, on les fait en séance, Monsieur Weitzman. Je lui aurais dit à quel point je trouve effectivement... Et donc je remercie infiniment Madame Tracht d'être à distance. Voilà. Mais c'est Madame Van den Bram qui répondra. Merci. Allez, vous avez la parole. Merci. Madame Tracht pourra peut-être ajouter un mot si elle le souhaite, alors... Je lui aurais dit à quel point je trouve que la situation est vraiment injuste. Madame la ministre, aujourd'hui, vous avez des entrepreneurs, des commerçants, des indépendants qui ont presque tout perdu. J'en connais qui ont dû vendre leur maison pour pouvoir payer les factures. Il y en a qui ont mis toute leur économie et qui n'ont plus un euro d'économie aujourd'hui. À cause de quoi ? À cause effectivement de cette crise qui est infernale. À cause aussi, il faut le dire, de votre gestion, de la façon dont vous avez abordé la vaccination, de la façon dont il y a moins de compensation, moins de primes de compensation à Bruxelles qu'en Wallonie, en Flandre. À cause de votre gestion, on met des entreprises dans les difficultés et aussi à cause, il faut bien le redire, de la fermeture. Et c'est la fermeture de ces commerces qui a engendré des primes de compensation. Et donc je trouve particulièrement injuste aujourd'hui de voir et de lire dans la presse Jean, pour le citer, qui pour des raisons de maladie a dû simplement cesser son activité et s'est vu demander le remboursement de cette prime de compensation, sans des informations claires dès le début, au moment où cette prime, il a pu la contracter. Donc je trouve ça particulièrement injuste, j'ai même le sentiment, je dois bien le reconnaître, que c'est toujours les mêmes qui doivent payer. Je trouve ça tout simplement injuste également, parce que Jean n'est pas seul, on sait qu'aujourd'hui, cette année-ci, il y a des centaines de personnes qui vont devoir rembourser, et probablement en 2022, si vous ne faites rien, ce sont des milliers d'entrepreneurs, de commerçants, d'indépendants qui vont devoir rembourser. Et si je suis fâché, Madame la Ministre, Madame Tracht, si je suis fâché, c'est précisément parce que le MR avait déposé une proposition d'ordonnance il y a un an pour éviter ce racket, excusez-moi l'expression, c'est un peu fort, mais ce racket des primes de compensation. Et qu'est-ce qu'on m'avait dit Qu'est-ce que m'avait dit Écolo et PS? Ne vous tracassez pas, Monsieur Weitzman, il n'y a pas de problème, on va trouver un mécanisme, on va déposer un texte pour éviter effectivement de ce remboursement. Un an plus tard, non seulement il n'y a pas de texte qui est déposé, mais en plus il y a des centaines d'entrepreneurs qui ne savent pas qu'ils vont devoir demain rembourser en cas de faillite. En cas de faillite, ils ne l'ont pas fait exprès. Et ces primes, ce n'est pas de l'aide, ces primes, c'était des compensations pour des fermetures. Donc si un entrepreneur a dû faire faillite, c'est probablement parce qu'il n'avait pas d'autre occasion. Et donc, Monsieur le Président, effectivement, la question est claire. Est-ce que vous allez faire un moratoire sur ces remboursements?
remboursement. Est-ce que vous allez déposer un texte pour éviter d'avoir ces raquettes de compensation? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Wetzmann. Madame la Ministre. Sous l'œil et les oreilles attentives de Madame Tracht, attention. Hein. Je me sens un tout petit peu contrôlée, mais merci Madame Tracht pour la texte que je vais lire dans votre nom avec conviction. Alors, l'arrêté de la prime de 4 000 euros stipulait que le bénéficiaire doit respecter les conditions visées dans l'ordonnance du 8 octobre 2015 pendant une période de 3 ans à partir de la date de l'octroi de l'aide. Ces modalités sont celles reprises dans l'ordonnance de 2018 relatives aux aides au développement économique et ce sont celles appliquées à l'ensemble des primes liées à la crise ou structurelle. L'ensemble des conditions émises à l'octroi des prix suffisent à maintenir l'activité économique et l'emploi à Bruxelles. Il y a donc des contrôles, a priori, sur les conditions préalables aux primes, rapides et automatisées, mais aussi des contrôles ex post. Ce contrôle est effectué par un contrôle de l'inspection économique. Madame Tracht a d'ailleurs, on a d'ailleurs expliqué les détails lors de plusieurs séances de commission, et elle reste à disposition, je suis sûre, pour en discuter avec vous dans la commission. En ce qui concerne les futures faillites, nous suivons évidemment de près la situation via les données de Stade Bell, le monitoring de Hub Brussels, le tribunal de l'entreprise, mais aussi les données de Graydon et les publications de la Banque nationale. Les deux principaux créanciers sont dont l'ONS, les dettes sociales et la TVA, les dettes fiscales. Et comme vous l'aurez pu le lire dans l'écho ce matin, l'ONSS confirme la reprise des citations. Il convient donc d'être très attentif et suivant l'évolution des chiffres au cours des prochaines semaines. La mesure de soutien de la Perrier et la médiation qui, quant à elle, a été mise en place en avril 2021, soit en amont de la fin du moratoire de fait sur les faillites, afin qu'elle puisse être effective dès que nécessaire. Le projet se construit sur un partenariat structurel entre BCI, B-Médiation, le tribunal de l'entreprise Hub Brussels, dont le dispositif Perrier Médiation prend en charge 75% des frais liés au dossier et 25% restants étant à la charge de l'entreprise. Le subside est liquidé en fonction des volumes traités et le gouvernement a débloqué une subside de 830 000 euros à ce fin. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Wetzmann. En fait, là où il y a une vraie différence entre vous et moi, c'est que si le MR, si j'avais déposé un texte pour éviter effectivement ce remboursement, c'est parce que ces primes, Madame la Ministre, que je regarde, ce sont des primes de compensation. C'est de la compensation. C'est parce que l'État, nous, ensemble, nous avons décidé de fermer ces commerces. Et donc, il n'est pas question de pouvoir récupérer ces primes de compensation après une faillite ou après une cessation d'activité. On en avait débattu. On m'avait dit, Écolo m'avait dit que ce ne serait pas le cas. Je constate aujourd'hui que c'est le cas et je trouve que c'est injuste. Je peux comprendre les objectifs liés à l'emploi, mais ce n'est pas juste dans ce cas-ci. C'est toujours les mêmes qui payent. C'est ceux qui bossent qui payent. C'est ceux qui bossent qui ont dû supprimer toutes leurs économies et qui, malheureusement, alors qu'ils ont tout fait, ils sont tombés en faillite ou ils ont dû céder leur activité. Ils ont dû cesser leur activité, en plus ici, pour des raisons de maladie, et vous leur réclamez encore de l'argent. Je trouve ça complètement injuste et je pense que vous faites une erreur politique. Et je vous redemande, s'il vous plaît, réfléchissez, repassez au gouvernement et faites un moratoire sur ces remboursements. L'incident est clos. Je suspends la séance du Parlement régional bruxellois. J'ouvre la séance de la RCC. Nous poursuivons la séance des questions d'actualité. Et nous passons à présent à la question de notre collègue Frémaux pour sa question adressée à M. Marron et Mme Vandenbrand relative au point sur l'administration de la troisième dose de vaccin anti-Covid en région de Bruxelles-Capitale. Et nous avons également la question jointe de notre collègue Verstraten. Betreffende Stand van Zaken, betreffende de Vaccinatiekampagne tegen Covid-19 in het Brusselse Hofstedelijk Gewest. Madame Frémaux, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, ce matin, nous avons pu prendre connaissance du fait que le go ou le feu vert a été donné par les différents ministres de la Santé pour l'administration d'une troisième dose. J'imagine que nous aurons des explications du ministre Marron à son retour de Glasgow sur les modalités opérationnelles, puisqu'elles sont annoncées aux alentours du 27 novembre. Ma question d'actualité, en fait, se situait dans le cadre
du déroulement de toute une série de faits la semaine dernière au sein des communes qui tiraient notamment la sonnette d'alarme par rapport à l'administration déjà en cours de la troisième dose, notamment par rapport aux aînés. Et donc mes questions sont les suivantes, c'est quelle est la stratégie qui a été définie dans le cadre de l'administration de cette troisième dose par rapport à un premier segment de population qui visiblement va être complété dans les semaines qui viennent. Ma deuxième question est assez courte. Il était prévu que les 400 de vaccination qui étaient encore aujourd'hui en capacité d'accueillir une grande partie de la population auraient dû fermer au 31 décembre 2021. Qu'en est-il évidemment avec l'annonce qui a été faite aujourd'hui? J'imagine que ça va nécessiter la poursuite de l'ouverture de cette centre et les bourgmestres qui étaient interrogés la semaine dernière rappelaient la nécessité de pouvoir encore en ouvrir à partir du moment où la troisième dose serait dupliquée à d'autres publics. Et enfin, la dernière chose, c'est la question de la communication, puisque les communes relayaient aussi le fait qu'ils étaient obligés de prendre en charge la communication vis-à-vis de cette troisième dose. Et j'imagine aussi que la COCOM aura une stratégie arrêtée en matière d'information à partir du moment où la troisième dose sera de nature à se généraliser. Je vous remercie. Primo Meneer Verstraeten. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw het collegelid, in alle eerlijkheid, ik heb mij tot eigenlijk vanochtend afgevraagd waarover ik een actualiteitsvraag zou stellen. Er was de CST, er is de daklozenopvang waarmee je terug dreigt fout te lopen om een aantal redenen. Maar toen ik erachter kwam dat u hier vandaag kwam antwoorden, kon ik het uiteraard niet laten om u een vraag te stellen rechtstreeks over de vaccinatie. Want ik heb niet heel vaak de gelegenheid om u daar nochtans medebevoegd voor gezondheid. Het gaat niet alleen over Maron, het gaat over meneer Maron. Het gaat ook over u als collegelid bevoegd voor gezondheid, die wij daarop bijna nooit zien. Die uw verantwoordelijkheid daarvoor niet neemt en die eigenlijk alles laat opvangen door meneer Maron. Maar we bevinden ons eigenlijk in een bijzonder slechte situatie. Brussel, Schaarbeek, Anderlecht, in die drie gemeenten woont een derde van de Brusselse bevolking, zitten we plus minus aan 50% vaccinatiegraad. Dus de helft van de bevolking is niet gevaccineerd. Hetzelfde voor Sint-Joost, Koekoberg. Bij Molenbeek zitten we aan 43%, dus bijna 6 op 10 van de inwoners van Koekoberg zijn niet gevaccineerd. Het hoogste cijfer is in Sint-Pieters-Woluwe, de enige gemeente waar we voor de algemene bevolking aan 70% geraken. Oudergem, Watermaal, Bosvoorde en Sint-Lamprechts-Woluwe, die zitten daar net onder. Het totale cijfer in Brussel is 58%. Dus meer dan 4 op de 10 Brusselaars zijn niet gevaccineerd, terwijl we in de vierde golf zitten. Ter vergelijking, in Vlaanderen is dat 81%, in Wallonië is dat 71%. En wat stellen we vast met de invoering van de COVID Safety Kit, die bedoeld was om eigenlijk die vaccinatiegraad omhoog te duwen? We zien geen effect. We zien geen effect. Als u kijkt naar de statistiek, hè, er is een stijging geweest. En dan eigenlijk sinds midden juli zijn we ongeveer op een plateau gekomen. Gaat het tergend traag nog vooruit? En we blijven daar eigenlijk op zitten, op diezelfde lijn. Is er een uptick door die CST? Nee. Dus we zitten in feite met een bijzonder lage vaccinatiegraad, een zeer slechte vaccinatiegraad. We zitten een beetje in een helse situatie waar we maar niet uit geraken en alle maatregelen, ten spijt die de Brusselse regering neemt, gaat het niet vooruit. En nu moeten we beginnen aan die derde prik. Dus ik heb de volgende vraag voor u. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaat het college nog doen om uit deze situatie te geraken, om die vaccinatiegraad op te krikken? En mark my words, ik denk dat we nog veel sceptici bijgekregen hebben. Dus gaan de vaccinatiecentra terug open? Hoe gaan we overtuigen? Gaan we de vaccibussen behouden? Gaat men daar een derde prik laten zetten? Question, hebt u lessen geleerd uit het verleden? Wat gaat u anders doen om die derde prik te zetten? C'est en forme aujourd'hui, hein? Voilà, ik ben ook altijd blij om u te zien, meneer Verstraeten. Wat de vaccinatiegraad voor de derde dosis betreft, bereiden we momenteel de vaccinatieaanpak voor de boosterdosis voor. De boostervaccinatie voor personen van 65 jaar en ouder, die is al enkele weken geleden gestart. We hebben 56.000 boosterdosissen toegediend voor alle sectoren en personen die daarvoor in aanmerking komen. 32.000 dosissen daarvan zijn toegediend in vaccinatiecentra en de rest in collectiviteiten en via lokale en mobiele acties. Ik kom, vous avez dit, madame Frémont, ce matin, de CIM Santé Publique,
a eu lieu et nous avons été informés des données scientifiques pourraient très probablement indiquer de l'intérêt d'une troisième dose pour la population en général. Ce serait possible de commencer en début 2022. Alors, on attend un avis scientifique formel et solide du CSS, puis un avis opérationnel de la Task Force Vaccination le plus tard le 27 novembre pour confirmer cette information. En dat is natuurlijk ook een belangrijk moment om al uw details te geven over hoe we die derde boosterprik gaan organiseren. We zijn uiteraard ook in discussie om het heropenen van de vaccinatiecentra om op een snelle manier ook de zorgpersoneel en mensen daarbuiten en mensen buiten de collectiviteiten te kunnen doen buiten fin eind november. L'objectif est de pouvoir garder ces centres à disposition également pour la stratégie des doses de rappel du restant de population. D'autres discussions sont également en cours de finalisation pour ouvrir d'autres lieux de vaccination situés notamment dans les anciens centres de vaccination. Et en parallèle, nous continuons avec le dispositif des Vaxibus, des antennes notamment dans les mutuelles, les hôpitaux, les communes, etc. Les actions décentralisées se multiplient avec notamment l'implication des professionnels de la première ligne, dont les médecins généralistes, les maisons médicales, des nombreux points de vaccination et de livraison dans les pharmacies. Dat antwoordt ook van stuk op uw vraag wat er nog bijkomend gebeurt. Actuellement, le nombre de médecins pose problème pour développer une stratégie massive de doses de rappel. C'est pourquoi nous travaillons sur diverses solutions afin de permettre une stratégie décentralisée plus massive pour la dose de rappel, tout en continuant avec plusieurs centres de vaccination. Et quant aux centres de vaccination actuels, en fonction des discussions avec les partenaires des centres de vaccination, nous aimerions prolonger les centres de vaccination le temps nécessaire pour, donc certainement, pour le premier quadrimestre de l'année 2022. Je vois que mon temps passe. Monsieur nog wat de vaccination campagne, peut-être encore oui, concernant la communication de la COCOM pour informer les personnes actuellement éligibles. Encore une question de Madame Frémaux. L'administration organise chaque semaine une pointe presse, évidemment, pour informer les médias sur le suivi de la stratégie de vaccination bruxelloise. Des courriers vers les fédérations et représentants du personnel ont également été envoyés et d'autres vont encore suivre avec l'ensemble des modalités pratiques. Des réunions sont également organisées dans ce sens et un courrier écrit et par email vers les 65 ans et plus est également parti en fonction du délai de vaccination et pour le personnel soignant, ça devrait suivre. Nog wat de vaccinatiecampagnes betreft en de impact van het COVID safety kit. Dus enerzijds COVID safety kit heeft de bedoeling om veilige omgevingen te creëren. We zien dat er een kleine impact van het CST is op de vaccinatiecijfers in het Brussels gewest. Bij de aankondiging, bij iedere aankondiging eigenlijk, eerst bij de goedkeuring ook van het CST, vervolgens bij de invoering ervan en dan bij de controles erop zagen we dat er meer eerste dosissen in de week na die aankondigingen waren. Vaccinatiegraad blijft systematisch toenemen en het blijft uiteraard onze absolute ambitie om alles op alles te zetten om die verder te verhogen. Wat gebeurt natuurlijk is dat lokale actoren en gemeenten zich nu ook richten op die wijk met de laagste vaccinatiegraad. U hebt die ook opgesomd waar we ons absoluut op moeten concentreren zonder de anderen te vergeten, maar waar nog extra inspanningen moeten gebeuren. Voor de vaccinatiecampagne hebben we sinds september 2021 500.000 euro extra geïnvesteerd voor de brede verspreiding van berichten die de vaccinatie aanmoedigen. Ook via Brusselse media, eventbureau, in bioscopen, nachtwinkels, bij de MIVB, schermen, broekerenpleinen op verschillende manieren. En lokale acties worden ook voortgezet in buurthuizen, in de kantoren en de antennes van ziekenfondsen en op talrijke andere plaatsen. Merci, madame la ministre. Madame Frémaux. Je vous remercie, monsieur le président. Donc, si je comprends bien, il y a encore énormément d'incertitudes sur cette troisième dose. J'avais cru comprendre que la CIM Santé avait réellement, en fait, validé le principe. Vous détaillez, nuancez un peu les choses en disant il faudra voir avec le Conseil supérieur de la santé, il faudra voir comment est-ce qu'on pourra modaliser les différentes opérations. Sur les questions pratiques, donc, vous confirmez que les quatre centres principaux seront prolongés au premier trimestre 2022. Donc, ça, j'en prends bien acte. Ça veut dire que ce sera aussi un budget complémentaire à dégager. On sera attentif dans le cadre des discussions. Le risque, en fait, aujourd'hui, il est essentiellement l'insuffisance des centres. Et c'est ce que pointent déjà, en fait, en réalité, les bourgmestres
qui sont concernés par la troisième dose depuis une semaine. Et donc, je pense qu'il est grand temps que M. Marron revienne de Glasgow, parce que c'est très sympathique de s'y promener sans accord. Ce serait mieux d'avoir plus de précisions sur le rappel de la troisième dose, parce qu'en réalité, ce qu'on doit voir très, très clairement et très rapidement, c'est est-ce que la stratégie, c'est de réouvrir l'ensemble des grands centres, ou est-ce que c'est de prolonger les quatre centres actuels, voire de légèrement les augmenter et de continuer à se déployer sur la première ligne. Mais ça, moi j'insiste, ça ne veut pas se faire sans les communes. Hein, parce que les communes, ce n'est pas les pompiers de service quand les choses sont difficiles. Donc, nous espérons très rapidement le retour de M. Marron en train. Merci. Meneer Verstraat. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Marron moet niet per se terugkomen uit Glasgow. Mevrouw Van den Brand kan het anders overnemen en haar verantwoordelijkheid nemen als collegelid bevoegd voor gezondheid. Maar ja, bon, dat past natuurlijk niet in de afspraak die zij met meneer Marron gemaakt heeft, dat hij alles op zijn eentje doet, tot spijt van wie het benijdt. Ja, ik hoor u toch niet meteen iets zeggen dat de zaken zal veranderen. Hè. U zegt, ja, we zien wel een beetje een impact op de vaccinatiegraad door die invoering van die CST. Maar ja, bon, als die al zeer laag gaat, en dan gaat het zo'n beetje plus een aantal procent, ja, dan blijven we ergens in dat plateau steken. Hè. Dan gaat het nog altijd extreem traag, zoals het al maanden extreem traag gaat. En bon, ik hou ook een beetje mijn hart vast. Hè. U zegt, we zijn nog aan het nadenken over wat de strategie gaat zijn voor die derde prik. Waar dat we gaan landen op dat vlak. Hè. Misschien gaan er vaccinatiecentra terug open, waar dat de oude vaccinatiecentra waren. Maar ook, hoe gaan we de mensen eigenlijk overtuigen? Want ik denk dat we redelijk wat mensen die misschien twee prikken gezet hebben, misschien zelfs ondertussen kwijtgeraakt zijn. En dus hou ik een beetje mijn hart vast ook op dat vlak, wat dat we gaan zien als die derde prik wordt toegediend. En of dat we nota bene zelfs nog aan de 70% gaan geraken voor die derde prik. Ik betwijfel het ten zeerste. Maar dat valt te bezien. Dank u, meneer Verstraeten. Het incident is gesloten. Nous passons à présent aux deux questions jointes de nos collègues Françoise de Smet, adressée à madame Van den Brand et monsieur Marron. La question de madame de Smet pointe sur l'hébergement structurel et l'accueil d'urgence des personnes sans abri à l'orée de la période hivernale. Et la question de notre collègue Kazadi, mesure à destination des familles avec enfants en situation de sans-abrisme. Madame de Smet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, on a donc vu dans la presse cette semaine la Croix-Rouge qui lance déjà un cri d'alerte. Et donc, on a d'une part le nombre de sans-abri qui ne cesse d'augmenter à Bruxelles ces dernières années. On avait le dénombrement de 5300 l'année dernière, avec entre parenthèses l'aspect de l'augmentation des loyers qui avait un impact sur ce nombre grandissant de sans-abri. Et puis d'autre part, donc, la Croix-Rouge qui alerte sur le manque de places d'hébergement. Et donc le ministre Marron a déjà déclaré hein, qu'il voulait plutôt mettre une politique structurelle en place pour donner plus de moyens aux centres de jour, plutôt que des subventions facultatives en ce qui concerne l'hiver. Alors évidemment, on est d'accord que c'est structurellement qu'on doit s'attaquer au sans-abrisme, mais d'un autre côté, dans un pays aussi riche que le nôtre, il n'est pas concevable non plus que des familles avec enfants se voient refuser des places d'hébergement. Donc j'ai voilà, plusieurs questions pour vous. D'une part, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour donner plus de moyens au Housing First, pour le rendre plus structurel, accessible à plus de familles? Combien de familles vont recevoir un logement correct? Et d'autre part, combien de places d'hébergement d'urgence sont prévues cet hiver? Et qu'est-ce qu'il en est aussi des conventions qui ont été établies avec les hôtels? Je vous remercie. Merci, Madame de Smet. Madame Kazadi. Alors, chers membres du Collège réunis, le journal Le Soir nous évoquait récemment sur Bruxelles la présence de dizaines de familles avec enfants qui sont malheureusement forcées de dormir dehors, faute de place dans les centres d'hébergement. Alors, les profils de ces familles sont assez variés. On retrouve des mères seules qui ont décidé de quitter un conjoint violent. On retrouve également des familles sans papier ou encore des personnes avec un travail et donc un salaire, mais qui n'arrivent malheureusement pas à joindre les deux bouts. Alors, par rapport à cela, en juin, en commission, M. Marron
avait indiqué que la diminution de place au sein du New SAMU social avait un impact assez conséquent sur un bon nombre de personnes et les familles, et qu'il était, et là je le cite, impératif de pouvoir rapidement trouver des solutions. Alors 4 mois après cette déclaration, j'aimerais savoir quelles ont été les solutions qui ont été mises en place. Alors concernant, je voudrais évoquer la question également des familles en errance sans papier. Alors je sais qu'ici on dépasse le cadre régional, mais ces personnes étant en situation d'irrégularité n'ont pas la possibilité de se tourner vers des solutions durables et donc sont obligés de se tourner vers des solutions, des sites, enfin des hébergements d'urgence. Et donc par rapport à cela, j'aimerais savoir quand est-ce que ces familles seront logées, parce qu'ici il s'agit d'une compétence de vos compétences, des compétences de Monsieur Marron. Quand est-ce que ces familles seront logées? Qui sont les opérateurs qui font le suivi de cela et quel budget va être alloué pour cela? Je vous remercie. Merci Madame Kazadi. Madame la Ministre. Question qui nous permet de faire le point sur l'ensemble des choses qui sont mises en place et les dispositifs qui seront opérationnels pour les semaines et les mois à venir sur une thématique, comme vous dites, qui est très importante à Bruxelles. Comme le détail le relève des dispositifs réalisés par Bruxelles, etc., transmis largement la semaine dernière, une capacité d'accueil de 3 596 places est déployée à destination des publics vulnérables en partenariat avec Monsieur le Ministre Président et Madame Benamou pour les dimensions d'accueil de personnes dites migrantes en transit et pour la dimension logement. Cette capacité d'accueil inclut des dispositifs d'hébergement d'urgence, des dispositifs d'accueil dans les hôtels, une capacité d'accueil des personnes diagnostiquées COVID+, des maisons d'accueil, les dispositifs d'accueil des personnes migrantes en transit et des projets de relogement temporaire ou durable. À cette capacité d'accueil s'ajoute une capacité renforcée d'accompagnement en logement, dont 805, dont 205 Housing First. Il est intéressant aussi d'examiner l'évolution des capacités d'accueil et d'accompagnement public fragilisé ces trois dernières années. Je ne vais pas aller trop en détail les chiffres, mais voici une qui est éloquente. La capacité d'accueil et d'accompagnement en novembre 2019, c'est 2607 places. Et la capacité d'accueil et d'accompagnement en novembre 2021 est 4446 places. Concernant les hôtels, étant donné l'évaluation positive de l'accueil des personnes dans les hôtels depuis le début de la crise, il a décidé de poursuivre le financement dans les hôtels. Et en total, 593 places à destination des publics au profit varié organisés dans les hôtels. Et concernant, Madame de Smet, votre question spécifique concernant le Housing First, en 2019, la capacité d'accompagnement Housing First était de 104. Elle est aujourd'hui de 205. Nous venons à l'issue d'un appel à projet à destiner un cinquième opérateur Housing First. Ceci permettra de porter la capacité d'accompagnement Housing First à 230 début 2022. Et évidemment, le début est d'accroître encore cette capacité de Housing First dans le futur. Concernant les questions spécifiques des familles avec enfants, nous avons ces derniers mois inauguré une maison d'accueil spécifique à destination des familles monoparentales. Il y a 45 places. La capacité d'accueil accessible à des femmes seules ou accompagnées d'enfants toute l'année dans les maisons d'accueil est à ce jour de 499 places. Et les 500 places qui sont cofinancées avec M. Vervoort et Mme Benamou dans le cadre d'initiatives d'occupation temporaire des bâtiments inoccupés permettent majoritairement d'accueillir des familles avec enfants. Pour les semaines à venir, il y a un dispositif de 30 places dans un hôtel qui est activé cette semaine qui s'adresse spécifique aux mamans solo. Et la proportion des places organisées par le New SAMU social à destination des familles est plus importante que par le passé. Et au-delà de ces éléments, il est évident que le travail doit être poursuivi pour accroître l'accès au logement et donc la mise à disposition des personnes sans abri de logements publics et privés. Et comme vous le pointez, les personnes qui nécessitent un accueil en urgence sont pour bonne partie des personnes sans droit de séjour.
Comme le décrit parfaitement l'article de presse que vous évoquez, Madame Kazadi, la crise du réseau FEDASIL et l'incapacité d'accueillir des personnes et familles demandeuses d'asile dans le centre d'accueil FEDASIL vient aussi de gonfler le nombre de personnes qui aboutissent alors qu'elles ne devraient pas dans les centres d'accueil pour des personnes sans abri. Alors, deux tiers des personnes accueillies par le NUSAMU social en 2020 étaient sans droit de séjour. Je ne vais pas minimaliser l'impact qui est pour eux. Ce sont des vrais humains qui sont réellement là. Alors, des multiples interpellations ont été transmises par le gouvernement bruxellois ou gouvernement fédéral à ce propos. Comme vous le dites, c'est leur compétence d'organiser l'accueil. Et en matière de prévention, je vois le temps passe, mais en matière de prévention de la perte de logement, comme je l'ai déjà expliqué, mais je pense que M. Marron en a déjà aussi souvent parlé, il y a un travail qui est réalisé qui a été rendu possible, notamment via les bias du renforcement des CPS à hauteur de 30 millions en 2021. Merci, Madame la Ministre. Madame de Smet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Avec les chiffres que vous donnez, je vous avoue que je ne comprends pas très bien, du coup, pourquoi il y a des familles qui se voient refuser ces places d'hébergement. Donc, il y a cité l'exemple, notamment à Anderlecht, de familles avec enfants. Et sinon, oui, ben, pour l'aspect du logement et pour ne pas aggraver la situation, on vous encourage bien entendu à prendre contact avec votre collègue au niveau du logement pour faire quelque chose au niveau de la baisse des loyers, pour éviter qu'on ait encore à devoir compter nombre de sans-abri supplémentaires l'année prochaine. Je vous remercie. Oui, Madame de Smet. Madame Kazadi. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, Madame la Ministre, pour les éléments de réponse qui nous ont été fournis. Je tiens quand même à le rappeler, la situation de ces familles est préoccupante, elle est urgente. Alors j'entends bien que des mesures sont prises, mais on le voit bien, elles sont insuffisantes. Et on avait déjà alerté à l'époque sur le fait que les nombreux confinements allaient exacerber la paupérisation, les violences. À cela s'ajoutait également la crainte, et on l'avait dit avec ma collègue, Madame Frémaux, d'un afflux de personnes qui se retrouveraient dehors. Et ce que je regrette ici, c'est qu'on constate quand même un manque d'anticipation. Les mesures qui sont mises en place ne sont pas suffisantes. Donc voilà, je vous invite avec votre collègue à trouver des solutions, débloquer un budget, parce qu'il y a urgence, surtout avec la période hivernale qui arrive, nos températures, voilà, c'est une période difficile pour les familles. Donc je vous invite vraiment à trouver des solutions rapidement. Je vous remercie. Madame Kazadi, ceci clôture notre séance de questions d'actualité de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Je vais suspendre notre séance quelques instants, permettre à nos collègues qui nous suivent à distance de faire le test vote et donc de cliquer sur le lien et permettre à nos services de dépouiller le vote qui a eu lieu. Nous reprenons par le vote d'ici 5-10 minutes, on va dire. Voilà.
Voilà, chers collègues, nous allons reprendre. Avant de passer au vote, permettez-moi de vous annoncer le résultat des personnes que nous devions désigner. Alors, donc c'était le scrutin secret en vue du remplacement de deux membres du comité d'accompagnement des commissions délibératives et constituer une réserve pour supplier à d'éventuelles démissions ultérieures. Alors, Madame Mélanie Seysens est élue, Monsieur Junius est élu. Donc, ils sont donc désignés en tant que membres du comité d'accompagnement des commissions délibératives. Et comme suppléants, nous devions en désigner trois. Madame Camille Kelbel est désignée, Monsieur Rangoni et Monsieur Baron. Je vous rends ceci. Alors, chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 19 mars 2021 entre les régions wallonnes, flamandes de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination du contrôle et de la surveillance des législations régionales relatives à l'emploi. Document A408.1. Nous allons passer au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Y a-t-il des demandes d'explication pour le vote ? Puisqu'il n'y a pas de demande d'explication ou de vote, nous allons procéder au vote. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Monsieur le Président. J'ai des difficultés. N'arrive pas non plus. Donc, Monsieur Compagnie vote pour, ok. Oui. Qui d'autre ? Ici, Monsieur le Président. Madame de Smet, je m'abstiens. Madame de Smet s'abstient. Monsieur Scarrette, excusez. Fin du vote. Je dois passer sur mon GSM. 80 membres ont pris part au vote. 70 oui, 0 non, 11 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juin 2021 entre la communauté flamande, les régions flamandes de Bruxelles-Capitale portant sur l'articulation de la politique du marché du travail, de la formation et de la promotion de la mobilité des chercheurs d'emploi. Document A409.1. We gaan over tot de stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnantie. Vraag iemand het woord voor een stemverklaring? Tot stemming wordt overgegaan. Début du vote. Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? Tout le monde a-t-il voté ? Je suis en même situation. Pas de problème, Monsieur Compagnie, on vous rajoute en vote positif. Monsieur le Président, je suis dans la même situation également. D'accord. Monsieur Témis, vote positif. Maintenant, je vais attraper le truc. Monsieur Compagnie, coupez votre micro. Ah oui. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 81 membres ont pris part au vote, 70 oui, 0 non, 11 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition d'ordonnance de Mesdames Durcel, Barzin, Bertrand, Tchekalski, modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013, portant le
code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie et introduisant des exigences d'exemplarité pour les pouvoirs publics en matière de maîtrise de la sollicitation énergétique de certaines pratiques IT et un accompagnement aux entreprises pour une responsabilisation en ce domaine. Les documents 113.1 et 2 et nous le faisons en application de l'article 91.4 du règlement. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Petit rappel, mais vous le savez, ceux qui sont pour le rejet de la proposition d'ordonnance votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Monsieur Compagnie, vous votez ? Voilà, ça marche manifestement. Ok, il me semble que tout le monde a voté. Fin du vote. 81 membres ont pris part au vote, 57 oui, 19 non, 5 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition d'ordonnance. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance relative à Brupartners, document A401 1 et 2. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Non. Il est procédé au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 79 membres ont pris part au vote, 75 oui, 0 non, 4 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'État fédéral, les régions flamandes, wallonnes et de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets, document A 418.1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Il est procédé au vote. Début du vote. Monsieur Compagnie, je suppose que vous votez pour. Voilà, c'est bon. Monsieur Témis vote pour également. Voilà. Madame de Radiguez, je pense que ça va s'afficher. Non. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 81 membres ont pris part au vote, 80 oui, 0 non, une abstention. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord entre la République de Lituanie et la région de Bruxelles-Capitale sur les transferts statistiques d'énergie produites à partir de sources renouvelables à des fins de conformité avec les directives 2009-28-CEUE-2018-2001 signées à Vilnius et à Bruxelles le 15 juillet 2021, document A 423.1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Une explication d'abstention, Monsieur le Président, c'est juste après, je crois. Oui, après, une fois qu'on aura le résultat. Il est procédé au vote, début du vote. Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 80 membres ont pris part au vote, 47 oui, 10 non, 23 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention. Madame Tettelbaum. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais justifier l'abstention du groupe MR
sur ce projet d'ordonnance qui porte sur le recours au mécanisme de flexibilité et qui existe en fait du fait de l'incapacité de notre région à atteindre ses objectifs en matière de part d'énergie produite à partir des sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute. Et donc, nous votons l'abstention pour marquer notre regret de ne pas voir la région capable d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés sans recourir au transfert statistique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Tettelbaum. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent justifier leur abstention ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance relative aux mesures concernant le respect par les utilisateurs des règles en matière d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. C'est le document A424-1 et 2. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Il est procédé au vote, début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Président, je suis désolé, j'ai le même souci. On rajoute M. Témise en vote positif. Fin du vote. Quatre-vingt-un membres ont pris part au vote, 70 oui, 0 non, 11 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Y a-t-il des membres qui se sont abstenus qui souhaitent faire connaître les motifs de leur abstention ? Je vous remercie. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mesdames Frémaux, Lefranc, Casady et M. Compagny, ainsi que M. Debeuquelard et Mme Debats, visant à instaurer un test climat préalable à toute décision délibérée au sein du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, document A165-1 et 2, application de l'article 91.4 du règlement. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Il n'y a pas de demande d'explication de vote. Petit rappel, ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Chacun a-t-il bien vérifié son vote ? Voilà. Fin du vote. 81 membres ont pris part au vote, 58, sinon 25 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mme De Smet, M. Andichi, Mme Koplovitch, M. Busselen, Obolensky et consorts. Document A204-1 et 2, application de l'article 91.4 du règlement. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Il n'y a pas de demande d'explication. Début du vote. Ok, donc on rajoute Madame De Batz en vote positif et pas en abstention. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 78 membres ont pris part au vote, 66 oui, 11 non, 1 abstention. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ordre du jour déposé en conclusion de la déclaration de politique générale conjointe du gouvernement et du collège réunis lors de la séance plénière des 21 et 22 octobre. Deux ordres du jour ont été déposés.
twee moties werden ingediend. Een gemotiveerde motie werd ingediend door mevrouw Van Achter, de heren Matthias van den Born en Gilles Verstraeten. Donc un ordre du jour motivé a été déposé par madame Van Achter, monsieur Van den Born et monsieur Verstraeten. Un ordre du jour pur et simple est proposé par messieurs Chaïd, Pitsès, Verstraeten et Fouad Haïdar. L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je mets cet ordre du jour aux voix. Nous allons procéder maintenant au vote nominatif sur l'ordre du jour pur et simple. Ja, meneer Van den Borre. Ja, dank u wel. Ik zou toch nog eventjes willen tussenkomen om die gemotiveerde motie toe te lichten die collega Van Achter, collega Verstraeten en ikzelf hebben ingediend vorige plenaire vergadering. Zoals iedereen weet, de minister-president heeft toen zijn toelichting gegeven, de algemene beleidsverklaring en de grote lijnen van het begrotingsakkoord. Maar wat ontbrak er? Wat werd er niet gezegd en niet bezorgd aan het parlement? Namelijk de essentiële begrotingstabel zelf, waarmee we kunnen opmaken wat er juist wordt aangepast, waar er juist wordt bespaard, waar er wordt bezuinigd. De regering had aangegeven, reeds op voorhand in een persconferentie nota bene, 140,7 miljoen euro te besparen door investeringen uit te stellen en 105 miljoen euro te besparen door te bezuinigen. Maar heeft daarbij nooit, en ook minister-president Vervoort heeft daarbij niet verteld waar ze juist dat geld gaan halen. En dan lijkt het mij gewoon basis, verantwoording, democratie eigenlijk, dat het parlement toch inzage krijgt in die cijfers. En we hebben dat tot drie keer toegevraagd. En staatssecretaris Ben Hamou heeft dat eigenlijk wel bevestigd in het uitgebreid bureau, dat ze dat binnen de regering op tafel zou leggen. Maar het parlement heeft die cijfers nooit gekregen. En dat is gewoon een totaal gebrek aan democratisch fatsoen. Want bijvoorbeeld in het Vlaamse parlement kan dat wel. In de Kamer kan dat wel. Een tabel waaruit we kunnen opmaken waar de regering het geld gaat halen. Want natuurlijk, zonder enige verantwoording, zonder de cijfers, kan de minister-president en alle ministers hier aanwezig, geen dus, kunnen eender wat beweren. Maar natuurlijk moet ze het hard maken in de cijfers. En dat breekt. We gaan nu de begrotingsgesprekken aangaan, maar een medewerker heeft het reeds opgezocht. Er staat in de meerjarenbegroting een aanpassing, namelijk een tussenhalingstekens besparing, volgend jaar 105 miljoen euro. Maar er staat ook niets uitgelegd waar dat geld gaat gezocht worden, waar er zal bespaard worden. Dus die vraag die hier op tafel ligt, die blijft fundamenteel en die blijft pertinent. Dus ik vraag eigenlijk alle collega's hier aanwezig, zeker van de oppositie, maar ook eigenlijk van de meerderheid, om toch eens democratisch fatsoen eigenlijk na te leven, om het parlement fatsoenlijk in te lichten waar de regering, waar deze meerderheid het geld gaat halen. Show me the money. En daarover gaat het eigenlijk. Hè. Ik vraag dat voor deze begroting, maar ik vraag dat uiteraard ook voor de toekomstige begrotingen. Het zou het debat echt wel veel verder helpen, moesten we daar echt wel de cijfers kunnen hebben om het debat constructief en inhoudelijk te kunnen voeren. Dank u wel. Merci, dank u meneer Van den Borre. Nous allons procéder maintenant au vote nominatif sur l'ordre du jour pur et simple. Il est procédé au vote. Chacun a-t-il bien vérifié son vote? Je suis vraiment trop désolé, monsieur le président, donc c'est comme le groupe. Hein, d'accord, positif. Donc on rajoute monsieur Témis en vote positif. Monsieur Lux. Monsieur Magdalène, monsieur Lux. Fin du vote. 79 membres ont pris part au vote, 45 oui, 28 non, 6 abstentions. En conséquence, le Parlement l'adopte.
Je vais clôturer ici la séance du Parlement régional bruxellois et j'ouvre la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la Commission tendant au rejet de la proposition de résolution de M. Weitzmann, Mme Bertrand, M. Leister visant à instaurer d'urgence un plan stratégique santé mentale. Document B63.1 et 2. Nous passons au vote sur les conclusions de la Commission. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Comme pour tout à l'heure, ceux qui sont pour le rejet de la résolution votent oui, puisque les conclusions de la Commission en proposent le rejet. Nous allons passer au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Quatre-vingts membres ont pris part au vote, 47 oui, 22 non, 11 abstentions. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte les conclusions de la Commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Ceux qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention s'ils le souhaitent. Pas de justification de vote. Je vous remercie. La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune est close. Prochaine séance plénière sur convocation du président. Bonne soirée et bon long week-end. Bonne soirée. Bonne soirée, Monsieur le Président. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée.